Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde et euh, bienvenue. Euh, partagez le live, euh, sécurisez-le. Nous savons très bien que Facebook nous impose certaines restrictions et ne veulent pas, les, les dirigeants de Facebook ne veulent pas écouter ce que nous avons à dire. Ben voilà, on fait avec et... Et on avance. Bien le bonsoir à tout le monde. Micheline, bonsoir. Bonsoir, Coco Glamour. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la présidente des FP, comme on dit, Congolia. Euh, bonsoir à toutes les personnes qui me suivent. Voilà, nous, euh, nous avons entrepris une démarche euh, de sensibilisation. Nous voulons euh, faire comprendre aux Camerounais qu'il est important. Euh, de se mettre tous ensemble dans la gadoue, quand je dis la gadoue, la gadoue de notre pays, euh, de se mettre tous ensemble et qu'ensemble nous essayons de faire changer les choses à notre niveau, à notre, à notre manière au Cameroun. Euh, ceci étant dit, euh, je vais rappeler au, au peuple Béti je vais rappeler à toutes ces personnes qui euh, gesticulent sur la toile euh, de tous bords. Euh, Mendoza Jarvin n'a pas été libéré. Mendoza n'a pas été gracié. Euh, pour que Mendoza soit libéré, il faut un acte administratif. On ne libère pas quelqu'un qui est emprisonné depuis 5 ans verbalement. On ne dit pas euh, on a libéré. On ne dit pas qu'il y a les rumeurs. Pour le moment, Mendoza a été libéré via les rumeurs. C'est la rumeur qui libère Mendoza. Aucun acte administratif. Et un régime, un gouvernement qui se doit d'être gouvernement. Un pays qui fonctionne normalement. On sait tous que l'administration, elle est écrite. L'administration n'est pas verbale. N'est-ce pas, Abia? Voilà. L'administration n'est pas verbale. L'administration, elle est écrite. Alors, mes frères. Pendant longtemps, depuis euh, 2018, euh, on a tout fait de diviser les Camerounais. Je le dirai toujours en deux groupes. Soit on est Bamileke, soit on est Ekan. La réalité vous rattrape aujourd'hui. La réalité nous rattrape tous. J'avais mendozé Ekan, digne fils Ekan, et est aujourd'hui malgré son état de santé. Malgré son état de santé, est toujours prisonnier. Changer quelqu'un une chambre ne veut pas dire qu'on a libéré cette personne. Changer quelqu'un une chambre. Si Mendoza était dans une chambre euh, moyen standing et qu'on le met aujourd'hui dans une chambre haut standing, ça ne veut pas dire que Mendoza est libre. Mendoza est toujours prisonnier et euh, nous n'avons jamais libéré euh, milité autant pour moi pour la libération de, de Mendoza. Nous avons milité pour une action humanitaire, que Mendoza aille mourir tranquillement auprès de sa famille. Voilà pourquoi nous avons milité. Voilà pourquoi nous nous battons depuis euh, 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 octobre 2018. Nous nous battons pour un état de bois. Nous nous battons pour un état humanitaire. Mendoza, personne de nous ne dira que Mendoza n'est pas un voleur. Mendoza est un voleur. Bien. C'est un voleur, pion, bon voleur. Il a volé. Le jour où euh, le dictateur a décidé de le mettre en prison, il a mis en prison. Ben, Est-ce que Mendoza est moins voleur que Ketia Koutes derrière laquelle on court, on met le dope, elle monte dessus avec les pieds Elle est voleuse. Est-ce que Mendoza est moins voleur que Ngamun qui mange l'argent des gens les routes sont coupées dans un autre pays. Si nous étions dans un autre pays, sincèrement mes frères, il faut que nous arrêtons. Et ça, je me battrai, même si je suis seul à me battre pour ça, je me battrai. Il faut que nous arrêtons de faire la révolution des postes. Arrêtons de faire la révolution des postes. Nous sommes des, des révolutionnaires des postes et des lives Pour ne rien dire, arrêtons de faire la révolution des postes dans un autre pays. Je dis bien dans un autre pays. Ce qui s'est passé à Yabassi aujourd'hui, où on ne peut pas quitter de Yabassi pour aller à Douala, les populations se seraient réveillées. Dans un autre pays, arrêtons de dire qu'on a peur. Il, on, a, on met toujours la peur devant nous. On vient sur les réseaux sociaux se défouler. Chacun vient montrer ses stratégies sur les réseaux sociaux. Non. Même si je suis seul et que tout le monde entier m'insulte. Je resterai droit dans mes bottes et je dirai la vérité et rien que la vérité. Arrêtons d'être des polices sur Facebook. C'est-à-dire, tu as quelqu'un qui, qui te dit qu'il est euh, 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 grand écrivain. Il va venir t'écrire toute une Bible pour t'insulter sur Facebook. Excusez-moi. Il va t'écrire toute une Bible pour insulter sur Facebook. Nous avons besoin des stratégies sur le terrain. Nous avons opté pour une stratégie sur Mendoza. Vous trouvez que la stratégie n'est pas bonne. Donnez-nous la stratégie à suivre. C'est la, la moindre des choses. Nous avons besoin de stratégies. Personne n'a la science infuse pour faire partie de Paul Biya. Personne n'a cette, cette science infuse et personne n'aura la science infuse. Ce serait par, euh, euh, par le pire, le, le, le meilleur des hasards. Le meilleur des hasards que nous allons avoir la solution. Ce serait... En allant à tâtons, que nous allons avoir la solution. Vraiment, mes frères, arrêtons de nous plaindre toujours sur Facebook. Un peuple digne, c'est un peuple qui se lève. Un peuple digne, c'est un peuple qui refuse de se faire marcher dessus. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui à Bafia, à, à, à Yabasi. Les hommes viendront sur la toile. Oh! Oh, on a mangé l'argent de là, la. a mangé l'argent, oh tel a mangé l'argent, oh c'est monté, c'est descendu, oh le pays n'est pas gouverné, oh le pays est ceci, oh le pays est cela. Quelle est la solution? Ça fait 38 ans que nous disons que le pays n'est pas bon. Ça fait 38 ans que nous connaissons dans la gadoue la dans laquelle nous sommes. Ça fait 38 ans. Depuis les dix dernières années, le Cameroun est en train de s'enfoncer devant nos yeux. Nous sommes là sur les réseaux sociaux seulement à, à, à brailler à longueur de journée, à pleurnicher. Moi, je donne la solution. Je dis qu'il faut en finir avec la dictature. Moi, c'est ma solution. Est-ce qu'elle est la bonne Je n'en sais rien. Est-ce qu'elle est la mauvaise Je n'en sais rien. C'est en apportant une autre solution à la mienne. C'est en me posant une autre solution qui fera en sorte que euh, peut-être les choses pourront changer. Moi, je dis encore, la solution que moi je propose... C'est un soulèvement massif populaire du peuple et qu'on détruise, euh, 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 ce qui représente, tout, tout, toutes les choses qui représentent cette dictature. Si, si nous mettons le feu à une sous-préfecture, ce n'est pas la maison de quelqu'un. Si nous mettons le feu à une sous-préfecture, ce n'est pas la maison de quelqu'un. On ne peut pas dire qu'on va chasser un dictateur. Même si 10 000 Camerounais se retrouvent aujourd'hui à Yaoundé le matin et rentrent chez eux le soir, ça ne fera pas partie de la dictature. On chasse la dictature par la force. Je le dis, je l'assume. On chasse la dictature par la force. On n'a jamais chassé de dictature en faisant des lives, en se plaignant sur Facebook. Non. Moi, j'ai fait ma part. Ah oui. Moi, j'ai fait ma part. Je n'ai pas autre chose à faire. Moi, j'ai fait ma part. Euh, Jackson Congo, je vais, je vais te bloquer. Ça, sérieusement, je te le dis. Je ne suis pas là pour faire la distraction. Je n'arrive même pas à te trouver. Si je te trouve, je vais te bloquer. Ça, je te le dis. Et je finirai le live. Je vais te bloquer. Fais ton combat et montre-moi la solution à suivre. Ne viens pas me donner des leçons sur ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Man fais un live comme moi, je fais un live. Assume-toi, fais un live, tu fais ton combat, je finirai ce live, je vais te bloquer. Ça, c'est une certitude. Je te le dis. Je ne suis pas dans vos histoires, je ne cherche pas des amis. Je n'ai pas des amis. Nous ne sommes pas des amis. On n'est pas obligé d'être des amis. Bon, je finirai, je te bloquerai. C'est bon. Voilà. Je disais, arrêtons de donner des leçons sur Facebook. Nous sommes tous devenus, pour la majorité d'entre nous, des donneurs de leçons. Le combat se passera au Cameroun et nulle part ailleurs. Le combat va se passer au Cameroun et nulle part ailleurs. Ce que nous faisons en diaspora et ce que nous avons à faire en diaspora, c'est de conscientiser les Camerounais. C'est ma part de travail que je fais. C'est de conscientiser les Camerounais. C'est de préparer les Camerounais à aller vers cela. C'est de préparer les Camerounais à aller vers cela. Nous conscientisons, nous préparons les Camerounais. Moi, je donne ma solution. Celui qui a une meilleure solution, qui vient avec sa solution et qu'on essaie de voir si ça peut marcher ou si ça ne peut pas marcher, c'est les Camerounais d'en décider. La solution qui... À la fin infinie serait euh, la bonne pour eux. Mais, il faut qu'on se dise la vérité. À dans la route est cassée. On va bravader sur Facebook. Ça va rester sur Facebook. Nous allons avoir des grands donneurs de leçons sur Facebook. Ça va rester sur Facebook. À Babadjoon, la route est cassée. Les gens sont là, on va venir prendre des photos, on se met en selfie, on fait des selfies et puis après on raccroche chez nous. Non. Nous sommes dans un pays. Je suis dans un pays. Le pays où je suis. Quand ça ne va pas, les gens descendent dans la rue. Le pays où je suis, je prends l'exemple sur le pays, dans le pays où je vis. Quand ça ne va pas, les gens descendent dans les rues. Tu vas voir des gens à Yaoundé. Mon frère David Tebutu, que je respecte bien, à Yaoundé, il n'a pas de lumière pendant cinq jours. Il va faire le poste jusqu'au jour où la lumière va venir. Je dis, il ne fera rien que des postes. Oh, Eneo n'a pas mis la lumière. Oh, je suis dans le noir depuis quatre jours. Oh, Eneo, quelle machin. Oh, ceci. Non. Quand il n'y a pas de lumière, tu prends ton courage, tu descends à une heure, tu leur dis merde. Voilà comment on construit un état. Voilà comment on construit un état. On ne construit pas un état avec des postes. On ne construit pas un état. Finalement, Facebook est devenu pour nous le mur de lamentation. Quand la Birmanie utilise Facebook pour organiser des contre, pour organiser une révolution, nous organisons, nous utilisons Facebook comme le mur de lamentation. On vient, on pleure sur sur, sur Facebook, oh, il oh, n'y a pas la lumière depuis 5 jours. Oh, NEU est maudit. Oh, Paul vient vendu le Cameroun. Oh, il n'y a pas la lumière. Oh, je ne sais même pas si à 17h je vais avoir la lumière. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Si tu pleures chez toi, l'autre pleure chez lui, l'autre pleure chez lui, l'autre pleure chez lui, comment la solution Nous allons trouver la solution. Comment est-ce que nous allons trouver la solution Si chacun pleure dans son coin, comment on va trouver la solution non, à un moment, il faut. Moi, je veux dire la vérité, ce que je pense. Hein? Je ne dis pas que la science infuse, je n'en ai pas. Je veux dire ce que je pense être la vérité. Je donne ma vision. Ce n'est que ma vision. Et si quelqu'un a une autre vision, qu'il apporte cette vision, qui la communique, et libre à chacun de choisir la vision qu'il va vouloir choisir. Je donne ma vision. Et je dis tout simplement, aussi longtemps que nous allons rester derrière Facebook, aussi longtemps que. Les gens qui sont au Cameroun vont se focaliser sur Facebook, pensant que Facebook va changer les choses au Cameroun. Je dis non. Moi, j'utilise Facebook comme moyen de communication. J'utilise Facebook comme moyen de communication. J'utilise Facebook comme nous l'avons tous utilisé. Et j'en profite encore pour, dire, euh, pour remercier quelqu'un, pour dire bravo à quelqu'un que même quand il y avait deux personnes qui le regardaient, Jacques Chanon, il était toujours là à faire ses lives. De, des désombification Jacques Chouanan, qui avait 10 personnes, qui avait deux personnes, il rentrait du boulot à 6 heures. Il était devant son ordinateur, 1h, 2h de temps. Il faisait son live sur son plateau. Il s'en foutait du nombre de vues. Il faisait son de dézombification. Et à la fin, nous avons vu 300 000, voire plus de 300 000 Camerounais se mettre dans la rue. Bon, moi, je sais que les faits que je demande aux gens de se préparer, ils se prépareront. Ils sont en train de se préparer. Tous les signaux sont au rouge au Cameroun. Mais nous refusons, nous, de prendre nos responsabilités. Au lieu que quelqu'un fasse toute une longue Bible pour parler de Calibri, vraiment, juste un mot. Camerounais, mettons-nous tous dans la rue demain matin. Juste un mot. Camerounais, sortons demain. Moi, j'ai fait au Cameroun, je suis sorti. J'ai dit, j'ai fait. Aujourd'hui, je suis en Europe, je fais. Je fais ce que je peux. Nous avons été à l'ambassade avec les gens. Ceux qui se disent des grands combattants et tout. Ils sont des grands combattants. Nous avons été avec eux à l'ambassade. Nous sommes convoqués. Il y a quoi Trois personnes sur 12 qui sont allés à l'ambassade, il y a trois personnes qui étaient convoquées. Où sont les autres là qui se disent que nous sommes des combattants Où sont-ils pour dire que j'étais aussi à l'ambassade Je veux être convoqué avec vous. Où sont-ils pour vous dire que moi aussi j'étais à l'ambassade Il faut que mon nom figure là. Mais on peut s'auto-accuser. Hein? On n'attend pas juste que la justice euh, t'envoie une convocation. On peut, on a le droit de s'auto-accuser. Quand... Euh, 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 tu as fait quelque chose, même si la police ne te pas pas, tu peux pas t'accuser, tu peux pas te dénoncer. On a le droit de se dénoncer. Moi, j'assume ce que je dis et je l'assumerai seul. J'assume ce que je dis et j'assumerai cela seul, sans personne. Ce n'est pas parce que je parle sur Facebook que je ne risque pas la prison. Je sais très bien que je risque la prison, mais je l'assume parce que c'est la seule solution au Cameroun. C'est la seule solution pour sauver le Cameroun. Arrêtons de pleurnicher sur Facebook. On veut libérer nos prisonniers politiques. On veut libérer nos prisonniers politiques. Alors mettons-nous en rang. Sortons de nos maisons, tous autant que nous sommes. En une journée, nous allons libérer Alain Foguet. En une journée, nous allons libérer Paul Chuta. En une journée, nous allons libérer Boubou Sortons de chez nous. Sortons de Facebook. Pour vous qui êtes au Cameroun, sortez de Facebook. C'est à vous. C'est à vous au Cameroun et personne ne croyez jamais que c'est la diaspora qui viendra changer les choses au Cameroun. Je suis désolé, je le dirai toujours. Je le dirai toujours. Si on pense, excusez-moi, si on pense, si on pense que c'est en organisant les marches que nous allons changer les choses au Cameroun, je dis non. Les marches ont porté leurs fruits. Et en plus, on n'organise pas les marches pour organiser. J'ai dit, hein, un comment on appelle ça, un activiste qui n'a aucune stratégie est un tonneau vide. Et nous savons que le tonneau vide fait le bruit. On n'organise jamais les marches parce qu'il faut organiser les marches surtout avec la situation camerounaise surtout avec nous les camerounais nous nous connaissons on, on ne peut pas organiser une marche aujourd'hui en Europe en diaspora cela a une réussite si les conditions au Cameroun ne sont pas réunies aucune marche n'aura de réussite en diaspora ça c'est une certitude je mets quiconque au défi de se lever je lui donne ce qu'il veut qui se lève demain ou qui se lève la semaine prochaine il dit j'organise une marche samedi il n'aura pas 2000 personnes ça je le dis il n'aura pas 1000 personnes parce que la situation au Cameroun ne donne pas envie aux gens de sortir Et c'est ça le Camerounais, il faut le comprendre C'est dans notre nature il faut, il faut nous draguer pour nous mettre dans la rue Il faut nous draguer pour nous mettre dans la rue Il faut quelque chose qui nous excite à sortir Et cette chose-là, ça se passe au Cameroun Si le MRC aujourd'hui Ou si le président Camto Déclenche quelque chose au Cameroun Nous demandons aux Camerounais demande de nous retrouver dans la rue Nous allons avoir 20 000 Camerounais 10 000, 3 000 Camerounais dans la rue ça, c'est sûr et certain. S'il y a un mouvement de foule aujourd'hui, si les Camerounais décident de sortir, si les Camerounais décident de sortir demain et qu'on a, on a, on tape les Camerounais, on les agresse, on les, on, 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 on les bastonne, la diaspora décide d'organiser une marche mercredi ou jeudi ou vendredi prochain ou samedi prochain, vous allez voir, il y aura du monde à cette marche. Les gens sortiront pour soutenir nos frères au Cameroun. Mais tant que les conditions ne sont pas réunies au Cameroun, aucune marche ne va réussir dans la diaspora. Et en plus, il faut savoir une chose. La brigade anti-Sardina est exclusivement, oui, si les gens sont allés au c'est parce qu'il y avait la brigade anti-Sardina, c'est incontestable. Mais il faut savoir une chose. La brigade anti-Sardina, son travail exclusif, ce sont des opérations coup de poing. C'est son ADN, c'est son essence. Opération coup de poing. Voilà notre essence. Voilà notre notre boussole. Dites-moi aujourd'hui comme Gongo est à Paris à 5h le matin, je vais me réveiller, je vais aller voir Gongo. Sans que je sois seul ou que je sois avec 10 000 personnes, je vais me réveiller, je vais aller voir Gongo. Mes frères Camerounais de la, de, de, du Cameroun, pas de la diaspora, mes frères Camerounais du Cameroun, vous nous avez donné, vous nous avez confié une mission. C'était de faire parler du Cameroun à l'international. Et nous l'avons fait. Je ne dis pas la brigade anti-Sadina, je parle de tous les combattants, sans exception, sans exclusive. Je parle de tous les combattants. Nous avons fait, nous avons mené ce combat haut la main et nous l'avons gagné. Ça fait deux ans au Cameroun que vous n'entendez plus parler de voyages, de coups privés. Vous n'entendez plus, ça fait deux ans. Et ceux qui me disent aujourd'hui qu'on ne il ne faut pas la force dans ce combat. Je vais aller, je, la question que je veux leur poser, c'est à Genève, c'était doux à Genève Nous y sommes allés à Genève avec la force. On n'est pas allé à Genève avec le dos de la cuillère. C'était avec la paix. Ce n'était pas avec la cuillère. Ce n'était pas avec le dos de la cuillère. Nous sommes allés au taquet. La police de Genève n'a jamais dépensé autant qu'elle a dépensé avec les Camerounais. Je dis la police de Genève n'a jamais dépensé autant qu'elle a dépensé avec la police camerounaise, avec euh, les, les, les combattants camerounais. Je parle des combattants camerounais. Nous étions à Genève. Vous nous avez confié une mission. Et c'est aussi à nous, c'est notre devoir de vous confier une autre mission. C'est du donnant, ou c'est donnant donné ou c'est donnant-donnant, c'est comment on dit ça. Tu me donnes, je te donne. La main gauche lave la main droite, vice-versa. Chacun doit jouer sa part de partition. La diaspora continuera à jouer sa part de partition. Vous, au Cameroun, vous avez l'obligation de jouer votre part de partition. N'attendez pas la diaspora. Si vous me demandez de venir au Cameroun, je vous dis Oh, je ne viens pas au Cameroun. Je fais mon combat où je suis ici. Je fais mon combat où je suis ici. Fais ton combat au Cameroun. N'attends pas que moi, Calibi je viendrai au Cameroun pour qu'on fasse ensemble. Non, je fais déjà ici. Tu es content au Cameroun ou bien tu n'es pas content quand tu n'entends plus que Bia voyage. Est-ce que quand tu n'entends plus que Bia prends le vol pour venir en Europe, tu n'es pas content Tu es content. C'est la diaspora camerounaise. C'est la diaspora camerounaise de... Tout le monde entier, c'est toute la diaspora parce que les gens vont voyager à travers le monde pour venir à Genève, pour venir à Paris. C'est la diaspora camerounaise. Nous avons fait notre part et nous continuons à faire notre part. Camerounais, arrêtons de pleurer. Arrêtons d'être des pleurnichards. Vous pouvez m'insulter, ça n'enlève ne, ça rien sur moi, mais je vous dis la vérité. La vérité blesse, comme on dit chez nous, le sang ne coule pas. Arrêtons d'être des pleurnichards. Arrêtons d'attendre le président Camto à longueur de journée. Il a fait sa part. Arrêtons d'attendre le président Camto à longueur de journée. Le président Camto a dit que c'est dans la paix. Lui, le président Camto, il a dit que c'est dans la paix. Lui, toi, tu n'as pas Eneo chez toi. Est-ce que lui, le président Camto, t'a interdit d'aller demander à Eneo les comptes est-ce qu'il t'a interdit d'aller demander à Inouyeu les comptes Arrêtons avec l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie qui va nous tuer. C'est l'hypocrisie qui a permis à Paul Bia d'être là. C'est l'hypocrisie qui permet encore qu'il maintienne Paul Bia au pouvoir. Ce n'est pas deux choses. Arrêtons avec l'hypocrisie. Arrêtons de dire tout bas ce que nous pouvons dire tout haut. Moi, je le dis, je l'assume. Quitte à aller en prison, même au fond de ma, ma cellule, je dirais la même chose. Rien ne pourra me museler de vous demander, vous les Camerounais, rien ne pourra me museler. Absolument rien. Je dis rien du tout. Rien ne pourra me museler de demander aux Camerounais de se lever. Est-ce que vous m'écoutez De demander aux Camerounais de se lever. On n'a pas le choix, mes frères. Les routes de tout le Cameroun sont coupées. Même le jour où vos maisons vont tomber, vous allez toujours rester là. Venu sur Facebook. Oh, j'ai dit encore une maison est coupée. Oh, quelle malchance d'être au Cameroun. Quelle ma non, ce n'est pas une malchance. C'est nous qui voulons avoir la malchance. Disons-nous la vérité vivant comme on dit. C'est nous qui voulons avoir la malchance. Tu vas à l'école. Tu sors. Tu as des diplômes. Tu as des diplômes. Mais tu refuses de travailler. Même pas que tu refuses. Tu refuses de prendre tes droits. Tu n'as pas le travail. Tu n'as pas le travail, tu n'as rien du tout. Tu refuses de te lever. Tu attends la diaspora. Tu attends que la diaspora fait. Eh, hey, vous, je vais, je vais m'adresser à vous. Vous qui m'écrivez tout le temps. Vous qui m'écrivez tout le temps pour me dire que, oh, on compte sur vous. La... Ne comptez pas sur la diaspora camerounaise. Non. Avant de vouloir compter sur la diaspora camerounaise, comptez d'abord sur vous. Aide-toi, le ciel t'aidera. Je ne suis pas de cette diaspora-là qui va venir vous baratiner pour que vous. Non. Si vous voulez, ne m'aimez pas. D'abord même, est-ce que j'ai besoin que vous m'aimez? Je n'ai pas besoin que vous m'aimez. Je ne suis pas votre ami. Vous n'êtes pas mon ami. Je dis la vérité. Que je pense. Ma vérité à moi. Peut-être je manque. Je dis ma vérité. Mais ne comptez pas. Ne restez pas au Cameroun, croisez les bras. Vous croisez les bras et vous dites, vous m'écrivez même pour me dire que, oh, Calibri, vraiment, quand on compte sur vous, on compte que sur la diaspora parce qu'on ne peut pas parler. Non, vous pouvez parler. Vous pouvez parler. Et c'est parce que les gens de certaines personnes en diaspora vous font croire. Certaines personnes en diaspora vous font croire que eux, ou bien que nous, la diaspora, nous allons sauver le Cameroun. Nous n'allons pas sauver le Cameroun. Nous n'avons ni les capacités, ni les moyens de le faire. Si les deux se ressemblent, nous n'avons ni l'un ni l'autre de sauver le Cameroun. C'est vous. Même si toute la diaspora combattante, là, si nous rentrons au Cameroun, nous sommes combien Nous sommes combien Les gens vous ont dit ici qu'ils prenaient l'avion pour rentrer au Cameroun. Vous avez vu qui Vous avez vu qui En tout cas, je vous une petite parenthèse. Hein. Il se peut qu'on peut rentrer au Cameroun comme on veut, même étant activiste. On peut rentrer au Cameroun et... Et on continue son activisme là-bas. De toutes les façons, le Cameroun, soi-disant, est un état de droit. Ce qui veut dire qu'on peut rentrer au Cameroun. Demandez à ces combattants-là, de prendre, comme ils vous aiment beaucoup, qu'ils prennent donc leur avion eux-mêmes. Qu'ils viennent au Cameroun, là, se battre avec vous. Qu'ils prennent leur avion, puisqu'on peut rentrer au Cameroun. Chaque combattant peut aller à l'ambassade, demander le visa, on va lui donner. Qu'ils prennent leur avion, ils rentrent au Cameroun. Celui qui dit qu'il aime le Cameroun. Qui part Moi, je ne viens pas au Cameroun parce que moi, je sais que je mets mes peurs, on va me tuer. Je vous le dis, Oa. Oh, ah. Si j'étais capable de venir au Cameroun, m'exprimer comme je m'exprime ici, je serais venu au Cameroun. Pourquoi je n'ai pas peur ici Pourquoi je n'ai pas peur ici Je n'ai pas peur ici parce que je suis libre de dire ce que je veux. On va me prendre aujourd'hui, on va m'amener devant le juge, je ne serai pas en prison. D'après Vanet, si j'étais au Cameroun, pour avoir été à l'ambassade du Cameroun, comme nous avons fait à Paris, je serai en prison aujourd'hui. Sébastien Ebala est où Sébastien Ebala est où Il est en prison juste parce qu'il a dit Paul Biad doit partir. Il est en prison. Bon, il n'y a pas cette liberté-là. Je suis ici parce que j'ai cette liberté. On me garantit la liberté de parler comme je veux au Cameroun, où je veux, dans la rue, dans la maison, n'importe où. Je rentre au Cameroun demain matin. Celui qui estime que le Cameroun est un état de gloire, à tous les combattants qui estime que le Cameroun est un état de gloire, Prenez l'avion demain matin, allez mener le combat au Cameroun, je vais m'agenouiller devant vous, je vais vous. C'est simple. Ne m'attendez pas au Cameroun. Parce que vous savez, comme moi, je mets mes pieds au Cameroun, je suis un mort. Vous le savez, nous le savons. Bon, ne me demandez pas, viens d'abord. Non, je ne viens, je vous dis au je ne viens pas. Je vous dis au je ne viens pas. Les anglophones sont respectés aujourd'hui parce qu'ils ont pris une autre tournure, parce qu'ils ont pris un autre virage. Ils sont respectés. Dans tout le monde entier aujourd'hui, le pape a envoyé les gens pour vous voir, vous les francophones. Est-ce que le pape, même si c'est le Atalaku, même si c'est une goutte d'eau dans la mer, est-ce que le pape a déplacé quelqu'un pour voir les francophones, pour voir comment les francophones vivent Non, il a déplacé le numéro 2 du Vatican pour aller chez les ambassadeurs voir comment ça se passe. Parce que les Amazoniens ont imposé l'autre raison du plus fort. Je vous ai dit ici que l'apartheid est une loi. L'apartheid est une loi. La ségrégation qui était aux États-Unis était une loi. L'apartheid était une loi. Le nazisme était régi par une loi. C'était la loi des forts. Mais la justice appartient au peuple. La justice appartient au peuple. Vous avez vu les Maliens. Vous avez vu les Maliens. Quand ils se sont levés, vous avez vu les ministres, comme on dit chez nous au Cameroun. Vous avez vu le ministre démarrer en cas de tour parce qu'il a vu en face de lui la justice. Vous avez vu le président Ibeka prendre un vol d'ada parce qu'il a vu en face de lui ce qu'on appelle la justice. Vous avez vu Ben Ali se balader partout dans l'espace les, dans, dans, dans aérien au monde. Vous avez vu Ben Ali se balader partout. Parce qu'aucun pays même, même ses amis qui disaient que la France était mon ami, la France a dit que je ne te veux pas chez moi. Vous avez vu Ben Ali fuir face à la justice du peuple. La justice appartient au peuple. Les lois appartiennent au plus fort. Mes frères, mes frères, arrêtons de croire que Facebook va libérer le Cameroun. Arrêtons de croire que c'est parce qu'on insulte énormément les gens sur Facebook que le Cameroun va être libéré. Sinon, il y a trois ans, Bia ne serait plus là. Nous l'avons enterré, Bia. Nous l'avons déterré. Nous l'avons vendu. Nous l'avons récupéré. Nous l'avons enseveli. Nous l'avons même incinéré. Mais c'est toujours Bia qui est là. Qu'est-ce que Facebook n'a pas fait de Bia Qu'est-ce que Facebook n'a pas fait de Bia Dites-moi. Qu'est-ce que Facebook n'a pas fait de billard On l'a vendu. On l'a tué à 4h le matin, à 3h le matin, on l'a tué. On l'a déterré à 14h. On a vu sa momie à 15h. On a revu sa momie à 17h. On a vu euh, euh, son, son oreille coupée dans un, dans un, dans un truc à, à, à 20h. Après, on a vu moins une dent à 15h. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu de billard Tout ce qu'on a fait là, qui est toujours là c'est Bia qui est là. Bon, ça veut dire que nous sommes limités sur Facebook. Utilisons Facebook pour autre chose. Avec Facebook, oui, on peut avoir beaucoup de choses. Mais avec Facebook, on ne peut pas faire partie de la dictature au Cameroun. Avec Facebook, nous avons fait trembler et nous faisons trembler le régime. Avec Facebook, nous faisons trembler le régime. Sauf que, soyons honnêtes et courageux de reconnaître que Facebook aussi a ses limites. Reconnaissons que Facebook a ses limites. Tant que les Camerounais ne se lèveront pas, comme ce fut le cas en 2007 à Ebolova, je pense, où les Camerounais de ce secteur-là sont allés brûler les choses pour rétablir le courant chez eux, on n'aura pas des choses au Cameroun. Je ne suis pas le premier à le dire, je ne serai pas le dernier. Libi, député entre guillemets de fête vous a dit dans une interview accordée à une chaîne télévision, Cabral Libby vous a dit qu'on a voulu voler son élection. Comment est-ce qu'il a récupéré son élection Il a récupéré son élection en envoyant ce gars avec les bidons de sens devant le tribunal. Ce n'est pas Calibri qui le dit. Ce n'est pas Calibri qui le dit. C'est un soi-disant député de la nation camerounaise pour sauvegarder son vote. Pourquoi on ne lui vole pas son élection et aller avec le bidon d'essence de, 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 Il a dit à ses gars, je, quand je vous appelle, c'est qu'on a volé, vous brûlez. C'est ce qu'il a dit, non Où est la différence entre ce que lui, le député, il a dit et moi, et moi Calibri Dites-moi, quelle est la différence entre ce que le député de la nation, qui siège soi-disant pour le peuple camerounais, à l'hémicycle en a dit et moi, Calibri Où est la différence lui, pourquoi ne lui vole pas son élection Il a envoyé les gens avec les bidons de sens brûler une institution. Il a envoyé les gens, Cabral Liby a envoyé les gens brûler une institution. Oui, pour préserver, pour garder, pour garantir son vote, pour garantir sa place à l'Assemblée nationale. Il vous l'a dit, ce n'est pas Calibri qui a dit. Ce n'est pas Calibri qui a dit. Et vous vous attendez quoi Ne comprenez-vous pas que dans ce pays-là, pour qu'on puisse avoir quelque chose, c'est de cette façon qu'il faut fonctionner Ne comprenez-vous pas Ou vous attendez que ce soit Kanto qui vient vous dire que allez brûler Eneo, allez brûler la Sotuk, allez brûler le Sokaver, allez brûler Sokapam, allez brûler ONCPB Vous attendez que ce soit Kanto qui vient vous le dire Quand vous buvez bien à nous, journée là, c'est Kanto qui vous demande de boire Dibi à nous, journée. Quand vous buvez 10 bières à une journée, c'est quand toi qui vous donne l'ordre, vous buvez parce que c'est bien pour vous. Vous buvez 10 bières à une journée parce que c'est bien pour vous. N'est-ce pas Mais vous ne vous battez pas parce que c'est mauvais pour vous ou bien c'est n'est pas bien pour vous. J'ai vu un de mes grands frères qui a demandé, euh, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, en tout cas ce que je sais, c'est que Mendoza n'a pas demandé à quelqu'un de l'aider. Mendesena a appelé personne à l'aide. Oui, Mendesena a appelé personne à l'aide. Oui. Toi qui dis que tu te bats pour le Cameroun, quel est le Camerounais qui t'a téléphoné pour te dire que grand frère, viens te battre pour moi Quel est le Camerounais qui t'a téléphoné un jour Le Camerounais a donné mandat à qui de se battre pour lui Vous savez seulement, vous levez le matin, faites des pauses. À qui le Camerounais a donné mandat de se battre pour lui Si c'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Non. Non, non. Je n'ai pas besoin d'un mandat. Je n'ai pas besoin d'un mandat pour me battre pour mon frère camerounais. Je m'auto-saisis. La justice s'auto-saisit de, de certains dossiers. Est-ce que vous ne le savez pas? Est-ce que vous croyez que la justice a toujours besoin que quelqu'un vienne se plaindre? Non. La justice s'auto-saisit. Elle-même elle se saisit. Je suis citoyen. Je suis libre de m'auto-saisir d'une euh, euh, affaire ou pas. Je n'ai pas besoin. Que, que, que Mendoza ou que son enfant ou qui que, que ce soit vient me donner l'or. Je m'en bats les coups de ces enfants-là. Je me suis battu ici pour les gens qui étaient au Koweït, qui sont rentrés au Cameroun porter l'habit du RDPC. Ça m'a fait quoi Ça m'a fait arrêter de Ça m'a enlevé cette envie de me battre Non. Si c'était à refaire, je le referais. S'il y a encore d'autres personnes au Koweït et que j'ai connaissance, je me battrais exactement de la même manière. Je n'ai pas besoin de merci de cette personne. Je n'attends pas le merci de cette personne. Jamais. Je disais tantôt, vous, mes frères camerounais, dites-moi un peu, quand vous buvez tout toute un bar, tout un casier de brasserie ou de UCB, quand vous buvez ça, c'est le président Canto qui vient vous demander de, vous, de boire, vous buvez tout simplement parce que ça vous fait plaisir. Parce que ça vous fait plaisir. Alors, dites-nous si cette dictature-là vous fait plaisir. Si ça vous fait plaisir, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Dites-nous qu'on on arrête cette lutte, nous tous, on arrête, on reste tranquille. Moi je vous dis ce que certaines personnes ne veulent pas vous dire. Tout simplement, peut-être parce qu'ils ont besoin de vos likes et tout. Moi je m'en bats les couilles de ça, mon frère. C'est pas ça le but pour moi. Le but pour moi, c'est que le Cameroun se libère. Que moi je rentre au Cameroun. Je, je, je n'ai rien à foutre de vos likes. Ça me donne quoi? Vous, vous avez appris que euh, euh, Facebook nous paye, nous paye par, par rapport aux vues. Ou bien YouTube, je ne suis pas sur YouTube pour avoir. Ça ne me, ça me rapporte rien de toute façon. Ça ne me rapporte rien. Je suis un enfant, je n'attends rien de quelqu'un. Je me suis toujours battu. Je me suis toujours battu. J'ai fait des travaux que même au Cameroun, certains Camerounais vont refuser de faire, mais j'ai fait. À, à partir du moment où ça peut me rapporter mon argent pour manger, je le fais. Moi bon, je n'attends rien de personne. Mais je dis tout simplement ce que beaucoup de gens disent. Quand les gens disent qu'on oh, est fatigué des Camerounais, là, ils sont amorphes. Quand ils vous appellent amorphes, c'est qu'ils vous insultent. Moi, je ne vous insulte pas, je vous mets juste face à vos réalités. Je ne vous appelle pas amorphes Mais je vous mets face à vos réalités. Je vous mets face à vos réalités. Arrêtez de compter sur la diaspora. Arrêtez de compter sur la diaspora. La diaspora ne viendra jamais sauver le Cameroun. Vous n'entendez pas quoi vous n'entendez pas quoi? La diaspora ne viendra jamais. Mais jamais. Les gens vous ont dit ici qu'ils mettaient l'avion, non? Où est l'avion là? Où est l'avion là? Il y a les gens qui ont dit ici que, oh, euh, maintenant c'est l'avion. On va prendre l'avion, on rentre tous au Cameroun. On va aller au Cameroun. Où est l'avion? L'avion n'est jamais arrivé au Cameroun parce qu'eux-mêmes, ils savent. Eux-mêmes, ils savent que l'avion là se dépose sur le tarmac, ils connaissent ce que c'est que la dictature criminelle de Paul Biya. La viola se dépose sur le tarmac. C'est comme ça que Bim Vando va envoyer le billet avec le camion. Bon, quand vous sortez de la viola, vous entrez seulement dans le camion, en direction, je ne sais pas où c'est, Kondengi, ou c'est où. Ils le savent. Celui qui veut aller se battre au Cameroun, il, parle, il arrive, il se met à la poste centrale, il me dit « Calibri !» Mais voici, si je suis venu, on ne m'a rien fait. Il fait comme ça quatre fois, 5 fois. Ok, je vais comprendre que c'est un état de droit. Je vais rentrer. Je comprendrai que c'est un état de droit. Je vais rentrer. Mais pour le moment, rien ne me garantit que c'est un état de droit. Rien ne me garantit. Sinon, on ne serait pas là, en train de dire que où est Paul Chuta, qui devait normalement faire six mois de prison et qui se retrouve aujourd'hui en train de faire deux ans, en train de faire deux ans. Ah oui, en train de faire deux ans. Bon, n'attendez jamais la diaspora camerounaise pour venir vous sauver. C'est faux. Mais par contre, qu'est-ce que la diaspora camerounaise peut faire? On peut vous soutenir. On peut vous soutenir. On peut empêcher les militaires camerounais de commettre des actions sur vous en nous mobilisant dans la diaspora. Oui, nous pouvons le faire, ça nous pouvons le faire. Et ça, nous vous la garantissons que nous allons faire cela. Ça, nous vous garantissons. Nous vous garantissons que nous pouvons faire cela. Vous avez la garantie de cela. Ah oui. Nous vous donnons cette garantie. Que si on voit 1 000 Camerounais, 2 000 Camerounais dans la, dans la rue, nous allons être 5 000 en diaspora. Et pour ça, nous avons les moyens de faire sortir 5 000 Camerounais dans la rue. Ici à Paris. À Londres, nous avons les moyens. À Berlin, nous avons les moyens. À. Ah, ah, ah. À, à Bruxelles, nous avons les moyens. À, aux États-Unis, nous avons les moyens. Nous pouvons vous garantir cela. Et c'est ce que nous pouvons faire. Rien d'autre. Rien d'autre. C'est toi qui dors dans le noir. Moi, je suis avec la lumière. Hein. C'est toi qui dors dans le noir. C'est toi qui n'arrive pas à manger trois fois par jour. C'est toi qui n'arrive pas à te soigner. C'est toi. Toi, toujours toi. Qui n'arrive pas à envoyer ton enfant à l'école. C'est toi. Toujours toi. Qui n'arrive pas à t'occuper de ta maman, c'est ta maman encore qui s'occupe de toi. Et toi, tu attends que moi, à Diaspora, qui mange un jour, qui boit un jour, qui donne un jour, qui se soigne un jour, je viens me battre pour toi. Mais il faut qu'on enlève ça dans nos têtes. Enlève ça dans vos têtes. Je suis celui-là qui vous dira la vérité et rien que la vérité. Ah oui. Je suis celui-là qui va vous dire la vérité et rien que la vérité. Aucune de ces personnes qui braillent là, mettez ces personnes au défi de descendre au Cameroun demain, se battre à vos côtés. Aucune de ces personnes-là ne descendra au Cameroun. Tout simplement parce que c'est à vous. Même moi qui braille, je ne descendrai pas au Cameroun. C'est à vous. C'est à vous de vous battre au Cameroun. Ce n'est pas à moi. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous ouvrir les yeux. Les yeux, vous savez ce qui se passe au Cameroun. Vous le savez bien, Albert Einstein a dit ceci. Pour qu'une pour, pour, pour qu opportunité devienne une réussite, il faut une préparation. Moi, je prépare le Camerounais à cette opportunité-là qui deviendra une réussite. Je prépare le Camerounais à cette opportunité qui deviendra une réussite. Oui, je prépare les Camerounais à cette opportunité qui deviendra une réussite. France Fanon a dit. Chaque génération découvre sa mission. Chaque génération découvre sa mission, l'accomplit ou la trahit. J'ai eu ma mission, j'ai découvert ma mission, et mon rôle et mon devoir, c'est de l'accomplir. Toi, au Cameroun, ton rôle et ton devoir, c'est d'accomplir cette mission. Nous ne pouvons pas faire des omelettes sans casser des œufs. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas nous défaire de la dictature sans aller au corps à corps avec cette dictature. C'est impossible, c'est impossible. Les gens sont là tous les jours, oh le gré à gré, à gré ne s'est passé, oh le gré à gré, oh vous faites quoi sur la toile, oh le gré à gré, le gré à gré se passera tant que les Camerounais ne vont pas se lever. Disons la vérité aux Camerounais, ce n'est pas en faisant des écrits, ce n'est pas en faisant des posts sur Facebook que le gré à gré va, va partir. Jamais, c'est faux. Le gré à gré se passera au Cameroun aussi longtemps que les Camerounais vont s'asseoir, croiser les bras, attendre la diaspora. Et cette diaspora-là ne viendra jamais. Jamais. Il y en a qui ont 5 ans d'asile, ils n'ont jamais mis les pieds. Il y en a qui ont 10 ans. Il y en a qui ont 30 ans. Il y en a qui ont 40 ans. Ils n'ont jamais mis les pieds au Cameroun. Et ils ne viendront pas au Cameroun tant que Bivando Barthélémy va être là. Ils ne viendront pas au Cameroun. Ils ne viendront pas au Cameroun tant qu'il n'y aura pas une amnistie. Impossible. Alors n'attendez pas cette diaspora-là. Peut-être d'autres diasporas, je ne sais pas. Peut-être d'autres. Je ne sais pas. Mais moi, mes frères camerounais, je vous dirai toujours la vérité. Je vous dirai toujours la vérité. Je ne vais jamais vous mentir. Je ne vais jamais vouloir vous faire plaisir. Je m'en fous, moi. Mais je dirai la vérité. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est d'exciter les Camerounais à prendre conscience. C'est d'exciter les Camerounais à prendre conscience. C'est de vous dire la vérité. Je prends ce risque. Quitte à aller en prison aujourd'hui. C'est aussi mon combat. Je prends ce risque. Ne croyez pas que j'ai toute la liberté de dire ce que je veux en France. Non. Je n'ai pas toute la latitude et la liberté de dire ce que je veux. Je n'ai pas cette liberté-là. Il y a des limites à tout. Il y a des limites à tout. Ah oui, je n'ai pas cette liberté. Je n'ai pas la latitude de dire ce que je veux. Mais je me bats pour mon pays et pour ça, je fais un sacrifice. Croyez-moi, c'est un sacrifice. Ah oui, vous ne le savez peut-être pas, hein? la DGNSE me suit. Ah oui, vous ne le savez peut-être pas. Je suis épié à longueur de envoyer des cœurs. Essayez d'envoyer des cœurs. Je vous en prie. Essayez d'envoyer des cœurs. Donnez-moi une minute. Essayez d'envoyer des cœurs. Je vais activer euh, un brouilleur ici. Voilà, s'il vous plaît, essayez, essayez, essayez d'envoyer des cœurs. Essayez d'envoyer des cœurs. Je suis allé activer un bonheur. Je disais tantôt que la DGNSE nous suit tout le temps. Pour ceux qui pensent que la brigade anti-Sadina ne fait rien pour Paul Chuta et les autres prisonniers, mais vous vous trompez, mais vous vous trompez lourdement. Vous vous trompez lourdement. La brigade anti-Sadina fait énormément, énormément. Et est en communication. Je, ça, pour ceux qui regardent, ça c'était le 17. Et regardez bien. C'est la présidence de la République, c'était le 17. Emmanuel Macron. Nous faisons ce que nous pouvons pour Paul Chuta. Nous faisons ce que nous pouvons pour les prisonniers politiques au Cameroun. Nous relançons autant que nous pouvons. Nous discutons avec ceux. Avec qui nous pouvons discuter pour qu'on libère ces gens-là. Et ce n'est pas tout que nous faisons faire sur Facebook. Bon, je n'ai pas besoin de m'accrocher à quelque chose parce que je suis les gens. Je ne suis pas. Ça, c'était le 17. Le 17 mars. Vous avez vu Le 17 mars, vous voyez bien Présidence de la République. Regardez bien. C'était le 17 mars. Nous avons des interlocuteurs avec lesquels nous bavardons, avec lesquels nous parlons. Et on n'a pas besoin de venir sur Facebook. Dis ce que nous faisons. Il y a des choses qu'on garde secret. Je le dis parce que beaucoup de gens me cassent la tête. Oh, voilà, machin. Non, fais ta part, je fais ma part. La somme de ce que nous faisons chacun individuellement. Je dis la somme de ce que nous faisons chacun individuellement portera des fruits. Il y en a d'autres qui font. La basse n'est pas la seule affaire. Et parlant de la basse, et parlant du pôle euh, diplomatique de la basse, euh, je tiens à vous informer que Gréboni est sous oxygène. Vous savez très bien que Greboni est malade et, et il est souffrant du Covid. Il est sous, euh, sous oxygène. Je vous demande, mes frères, ayant une pensée, une prière pour euh, le combattant Gréboni qui en ce moment euh, est dans une situation pas très compliquée, mais voilà, nous savons ce que la COVID, euh, les ravages de la COVID. Prions pour Gréboni, ayez une pensée pour lui. Et voilà, pour le moment, euh, la cellule diplomatique a un petit coup parce que le responsable se trouve, comme vous le savez, à l'hôpital. Mais nous allons repartir. C'est pour dire que nous, nous travaillons pour les prisonniers politiques. Il y a presque un an aujourd'hui, nous avons mené une campagne ici, Tenfonera. Vous avez été au courant de la campagne Tenfonera Beaucoup de personnes ont été, est-ce qu'ils nous ont suivis dans cette, dans cette campagne? La campagne TENFONERA, c'était pour libérer les prisonniers politiques du Cameroun. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Ah, vous travaillez avec les Amazoniens. On ne veut pas se mêler à ça parce que vous travaillez avec les Amazoniens. Est-ce que vous vous êtes mêlé de ça? Personne ne s'est mêlé de cette campagne. Personne ne s'est mené. Nous avons fait toute une journée sur Twitter où nous avons interpellé tous les dirigeants du monde. Sur Twitter, toute une journée. À raison de, je crois que c'était un message. Tous les, tous les deux, trois minutes. Un message tous les deux, trois minutes. Imaginez-vous le nombre de messages que nous avons envoyés pour cette campagne. Presque un million de messages en une journée. Ne pensez pas que nous ne faisons pas des choses. Nous faisons des choses à notre niveau. Nous faisons des choses à notre niveau. En une journée, nous avons bombardé toutes les autorités du monde. En une journée, nous avons fait cette campagne sur Twitter. Il n'y a pas un responsable qui n'a pas eu un message de la page. De l'organisation Tenfonera. Beaucoup nous ont laissé là-dedans. Est-ce que nous sommes venus brailler Peut-être pour vous, c'est la première fois que vous entendez parler de Tenfonera. Est-ce que vous nous avez entendu brailler sur les réseaux sociaux Nous travaillons pour la libération des prisonniers politiques au Cameroun. Et on n'a pas besoin de le faire sur Facebook. On n'a pas besoin de le faire dans les groupes WhatsApp. Ceux qui ont pris les groupes WhatsApp comme étant un outil de je ne sais quoi. Non. Nous faisons des réunions, nous discutons, nous parlons, nous élaborons des choses. On ne parle pas dans les groupes WhatsApp. Non. Non, arrêtez de croire que c'est sur Facebook que nous venons mettre tout ce que nous pouvons mettre. Vous avez vu, je vous remontre encore, Président de la République, accusé de réception, le 17, bon on n'a pas attendu euh, le clip de Mendo non on n'a pas attendu, c'était le 17, et ce n'est même pas la seule que je peux vous montrer. Nous saisissons les autorités à chaque fois, nous saisissons des autorités à chaque fois, nous saisissons ce que nous pouvons saisir. Nous avons saisi des gens jusqu'à l'ONU même. Mais est-ce que c'est ça qui va résoudre le problème Et c'est là où je vais en venir. Est-ce que c'est parce que nous saisissons ces autorités-là que ce, que ce problème va être résolu Non. Non. Est-ce que ça va nous empêcher Mes frères camerounais, je vous remontre encore. Parce qu'on dit qu'on a abandonné les prisonniers pour. Les voilà. Les voilà. Directement avec l'Élysée, les voilà. Mais est-ce que parce que nous faisons ça. Que nous allons venir vous dire que non, ne faites rien parce que l'Élysée va faire. L'Élysée ne fera rien. En tout cas, pas pour l'instant. Nous avons marché ici pendant neuf mois. C'est quand l'Élysée a trouvé bon pour lui de dire à Paul Biya que si tu ne libères pas le président Camteau, tu ne viens pas ici. Bon, nous faisons ce que nous avons à faire, mais ça ne nous empêche pas, nous, Camerounais, d'opter pour d'autres choses. Et c'est ce que je vous dis, vous, Camerounais au Cameroun. Le fait que la diaspora se bat pour changer les choses au Cameroun ne vous empêche pas, vous aussi, de vous battre. Non, impossible, ça ne peut pas vous empêcher. C'est la somme des deux combats qui feront en sorte que nous allons arriver à bout de cette dictature. C'est la somme des deux combats. Mais vous ne pouvez pas laisser la diaspora exclusivement se battre et des gens en diaspora vous font croire que c'est eux qui ont les ailes, les épaules et tout et tout. Et vous tombez dedans, vous pensez que vous allez changer le Cameroun comme ça. Non. Lui, cette personne-là qui te fait croire qu'il peut, il peut va se battre sur le cam, pour le Cameroun, puisque je ne sais pas quoi. Mon frère, lui, il dort dans la lumière. Il dort avec la lumière. Il n'a jamais de problème de coupure. S'il a un problème, si EDF fait l'erreur, l'erreur seulement de lui griller un appareil, EDF change l'appareil-là. Est-ce que vous le savez c'est-à-dire que si EDF me coupe le courant ici, ça me prévenit. Mes choses se gâtent au frigo. De toutes les façons, eux-mêmes, ils vont envoyer un expert. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'appeler eux-mêmes. Ils savaient qu'ils ont coupé. Ils vont envoyer un expert, venir vérifier ce qui a été gâté, qu'est-ce qui a été endommagé. Et ils vont me rembourser. Ils vont me rembourser mon argent. Tous ces, tous ces écancres-là qui sont là, ici, là, ils savent cela. Mais ils vous disent non. Eh, Tara Paul Biava, vous. A... Non, mais arrêtez, arrêtez, mes frères. Réveillez-vous. Réveillons-nous tous. Réveillons-nous tous. J'ai dit, je vais continuer, je vais bavader tous les jours. Tous les jours. Gandhi a dit, chaque goutte d'eau qui tombe sur un rocher, chaque goutte d'eau a son impact. Et à la fin, le rocher va se casser. Chaque jour je vais bavader Et un jour cet impact là va arriver Je souhaite que cet impact soit demain ou après demain Ou dans un mois ou dans deux mois Je le souhaite Nous sommes à la croisée des chemins au Cameroun Et si nous ne faisons pas attention Nous allons tous périr Nous périssons déjà Quand vous vous rendez compte qu'à plein Bamenda La chaussée se déchausse une chaussée s'ouvre en plein Bamenda. La voiture tombe à l'intérieur. Une chaussée s'ouvre en plein rue de Bamenda. Les gens sont à, Yaba, à Yabassi, ne peuvent plus aller à Douala. Et s'il te plaît, c'est où C'est à Mungule, hein C'est à Mungule, oui. Je crois que c'est à Mungule, Ouais Mangoula, Le village de mon pote Djemte Djemte. Les gens ne peuvent plus aller à Douala. On croise les bras. Les élites ici vont vous dire, et c'est là où j'accuse la diaspora. Les gens vont vous dire que non, il faut qu'on lance les liti. Il faut qu'on lance les liti. L'hôpital de, 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 de Yabassi n'a pas de médecin. Mais on trouve qu'il faut lancer le liti. Au lieu que les yabassiens de, de Paris, au lieu que les yabassiens de New York, de Londres, les Yabassiens du monde se lèvent et demandent à leurs frères levez vous Allez demander à ces gens-là de, de vous amener, de vous donner des bons hôpitaux. Non, on dit qu'il faut faire les litiges. Le peuple se substitue à l'État. Le peuple se substitue à l'État. Et c'est une mauvaise façon de croire qu'on aide les Camerounais. Et après, on se plaint. Et après, tout ce que vous voyez là, que ce soit les écancres ou bien les, les tontinas ou les sardina, ils ont un mot. Les Camerounais sont amorphes. Ce sont les idiots. C'est ce qu'ils disent, hein. Ils ont un seul mot. Les Camerounais sont amorphes, ce sont les idiots. Pourtant, ce sont eux, eux-mêmes, les gens de la diaspora, qui vous rendent idiots, qui vous rendent amorphes. Sinon, expliquez-moi. Expliquez-moi. Comment est-ce que il y a un hôpital qui est là, il y a un bâtiment. L'État ne met rien. Même les médecins, il n'y a pas. Ce sont les chèvres qui sont à l'hôpital. La diaspora trouve la meilleure solution, c'est de faire des litis pour eux-mêmes payer. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Ils vont payer pendant combien de temps? Ils vont faire des litiges pendant combien de temps? Il n'y a pas une morgue dans tout un village, tout un département. Le camp, il n'y a pas une morgue. Et la diaspora vient cotiser même. On met la morgue, la morgue se garde. Il n'y a plus d'argent pour arranger. C'est la faute à la diaspora. Il faut à un moment. Il faut à un moment qu que nous-mêmes, nous nous demandons, mais pourquoi les Camerounais ne se lèvent pas Est-ce que ce n'est pas nous le problème Est-ce que ce n'est pas nous le problème Posons-nous les vraies questions. Posons-nous les vraies questions. Est-ce que ce n'est pas nous le problème Un peuple qui a faim se lève instinctivement. Un peuple qui a faim se lève instinctivement. Personne ne la voit se lever. Les Soudanais avaient faim. Ils se sont levés. Ils n'ont pas attendu la diaspora. Ils n'ont pas attendu la diaspora. Ils se sont levés pour 5 francs soudanais qu'on a ajoutés sur le pain. On a augmenté 5 francs. Ils se sont spontanément tous, autant qu'ils sont, parce qu'ils ont compris que mes 5 francs, on est mort. Le pain, c'est la, la première denrée alimentaire chez nous. Mais si on en marqué cinq fois, mais nous sommes morts. Au lieu d'acheter euh, deux pains pour une journée, on est obligé d'acheter un seul pain. Moi, j'ai 10 enfants, mais comment je fais avec dix Non, le père, le grand-père, la grand-mère. Et je vous rappelle que c'était une jeune fille de 20 ans qui était là. L'égérie. L'égérie de la contestation soudanaise. C'était une jeune fille de 20 ans. En Indonésie. Euh, comment on appelle ça C'est pas l'Indonésie. Oh, comment s'appelle le pays de Asansoki là Bref, en Asie, à Hong Kong, vous avez vu c'était des jeunes, des étudiants à Hong Kong qui se battaient pour pour leur liberté. Les jeunes à Hong Kong, les étudiants ont été blessés à Hong Kong pour leur liberté, juste la liberté de pouvoir dire ce qu'ils veulent dire. Juste de pouvoir dire ce qu'ils veulent dire. Parce que la Chine les empêchait de s'exprimer. Juste pour cette liberté-là, les jeunes de 15-20 ans se sont battus. Aidés par les anciens. Juste pour la liberté de pouvoir parler, de bavader. Juste pour cette liberté-là. Les gilets jaunes, vous croyez que les gilets jaunes se sont levés parce qu'ils avaient faim Vous croyez que c'est parce qu'ils avaient faim Non. Ce n'est pas forcément parce qu'ils ont. Ce pas la famille. Ce n'est pas la famine. Ils se sont levés pour certains bois. Et il y en a 11 qui sont morts. Il y en a 11 qui sont morts. Oui. Je ne dis pas. Je ne souhaite même pas. Vous avez vu au Burkina Faso, le peuple s'est levé il n'y a pas eu de mort. Révolution n'est pas synonyme de mort. Révolution n'est pas synonyme de mort. faut que les gens arrêtent de vous masturber la tête. Révolution n'est pas synonyme de mort. Mais un peuple qui se lève massivement, c'est un peuple fort. Mes frères, mes frères Eton, mes frères Boulou et Wondo, qu'on arrête de vous masturber la tête avec cette histoire d'État, avec cette histoire de pouvoir. Vous n'avez aucun pouvoir. La preuve en est que jusqu'à aujourd'hui, on vous dit... Que Paul Biabi Vendor est un boulanger. Vous dites non. Où est Mendoza? Quel est l'acte administratif qui vous prouve que Mendoza a été libéré? Pour Yves Michel Fosso, il y a eu un acte. Euh, l'acte administratif, autant pour moi. Pour Yves Michel Fosso, il y a eu un acte. Il y a eu un décret. L'administration, elle est écrite. Elle n'est pas verbale. L'administration n'est pas verbale. Ce n'est pas que le koukouma a dit qu'on doit le libérer. Ce n'est pas ça l'administration. Pour une levée des pour une levée des il faut un acte administratif. Pour une levée des coups on ne libère pas un prisonnier avec la bouche. On n'est pas en monarchie de 1400 machin où le roi ordonnait. Même quand le roi ordonnait, c'était transcrit quelque part. Il y a une transcription qui était quelque part. L'administration, elle est écrite. On a peur de vous. On a peur que vous vous levez, que vous vous mélangez avec ce qu'on appelle les talibans pour défendre vos droits. Et on a voit la rumeur, Mendoza a été libéré. Changer de chambre ne veut jamais dire être libéré. Changer quelqu'un de chambre ne veut jamais dire être libéré. Mendoza n'a pas été libéré. Ce n'est qu'une rumeur jusqu'à preuve du contraire. Et si depuis trois jours, il n'y a pas la preuve de la libération. Je vois des gens là qui montrent des journaux. Oh, euh, là, on a gracié, on, on, on a gracie sans acte. Montrez aussi le journal qui demande, qui dit qu'on attend toujours la grâce. On, gracie sans, sans, on gracie sans acte, sans décret. C'est un décret qui gracie quelqu'un. C'est un décret. Peuple et camp. Levez-vous, demandez le décret. Peuple et camp. Levons-nous tous ensemble pour un Cameroun meilleur. Ce n'est pas le Cameroun de Calibri. Ce n'est pas le Cameroun du président Kanto. Ce n'est pas le Cameroun du MRC. C'est le Cameroun de tous les Camerounais. Regardez le MRC, comment c'est construit. Ce n'est pas mon parti politique, hein? mais regardez comment le MRC est construit. Vous avez tout. Nordis, Sudis, Mundang, Tupuri, euh, Fulbe, Douala, Aoussa. Vous avez tout au MRC. Vice-président. Du, 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 du centre ou du sud. Président, de, tel vice-président du Mbam, tel vice-président de tel endroit. Le MRC, c'est le Cameroun à miniature. Le MRC, c'est le Cameroun à miniature. Regardez ce MRC-là. Est-ce que le MRC se bat pour être président? Ou que ce soit le candidat qui soit président? Ils se battent pour que des situations comme ceux de Mendoz. Qu'on ne les trouve plus dans nos polis, dans nos prisons. Même si ces gens ont fait n'importe quoi, ils ont droit à une dignité. Le MRC se bat pour la dignité humaine. Le MRC se bat pour la valeur de l'être humain. Le MRC ne se bat pas pour que le parti soit. Non, le MRC même se bat pour que demain, si son candidat arrive au pouvoir, ce ne serait pas le MRC qui sera au pouvoir, mais ce serait un, un Camerounais. Ce ne serait pas comme le RDP, ce qu'on va dire, parti, État. Ce n'est pas pour ça que le MRC se bat. Le MRC se bat pour que ma soeur, qui a été maintenue en prison parce qu'elle a accouché et qu'elle n'a pas l'argent, entre-temps, Brenda vient dépenser l'argent des Camerounais ici. Le MRC se bat pour que ma soeur, si elle n'a pas de moyens, l'État va payer à sa place. Comment l'État est capable de, dépasser, de déplacer un avion pour Nathalie? Quoi? Je n'ai pas de problème, hein? c'est sa chance. Comment on est capable, en pleine période de Covid, de placer un avion pour Nathalie quoi Mais on n'est pas capable de faire accoucher une citoyenne camerounaise, une soeur camerounaise. On n'est pas capable. Il faut qu'elle paye. Il faut qu'on mette un bébé de deux jours en prison, d'une journée en prison. Et Abodza, en levant le mauvais cœur dans nous, battons-nous comme des camerounais. Enlevant le mauvais cœur, la haine. Avec la haine, on ne construit rien. Avec la haine, on ne bâtit aucun état. Enlevant le mauvais cœur. Vous dites que quand on est un porc, le port se bat pour que tu aies une dignité. Vous dites que que c'est pas le que se bat. Si moi je suis bamineke -que parce que je me bats, je me bats pour que tu puisses avoir une dignité. Une valorisation de l'être humain que tu es. La route euh, Ebolova, Kribi, en passant par Akom, ça fait trois ans. Trois ans que cette route aurait dû finir. Jusqu'à aujourd'hui, c'est fini sur les papiers, mais jamais elle n'est praticable. Jamais elle n'est praticable. Quels sont ceux qui tuent les écans Frambia débite le bois camerounais tous les jours. Quand on de pont, est-ce que Campo a de pont? Campo n'a pas de pont. Est-ce que le Sud s'est développé avec toute la richesse qui est au Sud? Avec tout le bois qui est au Sud. Est-ce que le Sud s'est développé? Regardez l'état de Yaoundé. Ne voulez-vous pas voir Yaoundé plus propre que ça? Ne voulez-vous pas voir Yaoundé plus construit que ça? Ok, vous n'aimez pas Campo, c'est votre bois. Mais nous avons tous ensemble le bois et le devoir de nous battre pour faire partie de cette dictature. Le cas de Mendoza doit vous interpeller et doit vous parler à tous. Tous les bétis, tous les boulous, tous les nanga. Le cas de Mendoza doit vous interpeller. C'est votre fils. C'est votre fils. Il est en train de mourir comme, comme une loque humaine. Est-ce qu'il n'a pas servi ce régime Il a servi ce régime. Il a fait les atalakou pour ce régime, vous ne pouvez pas imaginer. Il a fait la campagne ou les campagnes pour que ce régime soit en haut. Comme le RDP, c'est comme on dit chez nous. Vous ne pouvez pas imaginer. Qu'est-ce que le régime lui fait en retour Qu'est-ce que le régime fait à ce monsieur en retour Et c'est la même chose que ce régime vous fait tous les jours. On vous tue tous les jours. Vous êtes là à Iop. Il n'y a pas d'électricité. Vous êtes là à Iope. Il n'y a pas d'hôpitaux, de, 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 vous êtes là à Ayop. Il n'y a pas d'école, vous êtes là à Ayop. Tout ce que vous avez dans la bouche, comme des zombies, c'est Ayop. Comme des zombies, c'est Ayop. Ayez au moins une petite dignité. Où sont donc tous ceux qui combattaient les, 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 les Talibans là sur la toile? Ils sont où? Tous ceux qui combattaient les talibans là sont où? Pour se lever aussi, pour dire que, eh, hey, Tara Polbia Jamezoum. Tara Zoom. Eh? Jamezoum, Tara Polbia. Libère Mendozé. Il est déjà mort. On ne demande pas de libérer un être qui est, qui est bien portant. Si Mendozé était bien portant, mais il puge sa peine, c'est tout à fait normal. Si Mendozé était bien portant, on demande de libérer un cadavre. Celui-là, Mendozé, vous l'appelez encore homme. Ce n'est plus un homme. C'est un cadavre. Je dis. La nature, elle est cruelle, hein. Je peux décéder ce soir, Mendoza sera toujours vivant. Peut-être même il pourra retrouver sa santé, ça je le dis. Mais à l'état actuel des choses, aucun, aucun, c'est-à-dire moi, même sans papier, comme vous dites là, hein, une banque peut accepter m'emprunter même, même 1000 euros. Aucune banque, aucun banquier, aucun banquier ne peut donner 10 centimes d'euros à Mendoza que tu vas me rembourser quand tu vas guérir. Aucune aucune banque. Bon, statistiquement, entre lui et moi, je suis encore plus important que lui. Je peux partir aujourd'hui. Je peux sortir là, je fais l'accident et puis c'est fini. Mais, quand on regarde Mendoza, on me regarde. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Aucune photo. Il n'y en a pas. Bon, mes frères, battons-nous tous ensemble. Tous ensemble. Nah, pas distancé tu Yes. Et je vais vous dire, euh, j'ai un invité qui arrive dans quelques instants et pour ça, je suis obligé de mettre le masque parce que vous savez, quand tu reçois un dictateur, le dictateur du Cameroun exige les masques le masque et le protocole de la présidence m'a obligé à porter le masque. Bon, vous allez me voir avec un masque dans quelques minutes. Papa, on va... Tu le tais donc camo, Passe le goure sou papa Papa il en va au coco Tu le tais donc ambo Passe au goure sou papa Après le travail c'est la recette Bonsoir et bonsoir, bienvenue. Partagez le live s'il vous plaît. Invitez vos amis. Euh, excellence, euh, Monsieur le dictateur, excusez-moi. vous avez vu Vous avez vu le dictateur Il dit non au hold up, non au hold up, mes frères, non au hold up. Battons-nous pour changer le Cameroun. Même le dictateur Bill Der Batélemi est habillé en non au hold up. C'est le chassement qui continue. Le chassement ne s'est jamais arrêté. Là, je vous présente, euh, je suis en compagnie du, du dictateur, l'excellence, euh, le criminel de la République, euh, Biabi Vondobatélémi. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, Calibri. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la télé de, la télé de ceux qui ne veulent pas que je sois au pouvoir. Euh, mais... Excellence, euh, monsieur le dictateur Billard, pourquoi tu m'appelles dictateur Je ne suis pas dictateur. Euh, ben, monsieur Billard, il se peut que dans votre pays, le Cameroun, il y a euh, beaucoup de prisonniers politiques. On ne peut pas euh, s'exprimer librement au Cameroun. Non, on, on peut seulement bavader au Cameroun. Et le Cameroun est un état de gloire, comme je le disais tantôt on peut seulement bavarder si vous voulez bavarder vous avez la liberté de bavarder mais, eh, ça s'arrête là. Hein? Euh, monsieur le président, il un dictateur de vos état. il eh? faut arrêter de m'appeler dictateur. Bon, um, on i welcome my brother, i don't want de me. this man is the big killer for ground. Um, today so me na bia we go chat na pigin ye no go chat togannar with y french wuna no say bia don go for other side na na mafo na ma for du do you nunderstand me na so yes escape wuna dey understand me fine ife wena dey understad me wuna avoe le care if wena dey understand me wena avoyi le care le zim i wan't see buku le zim wuna no say me a no no me ce Monsieur le dictateur, on dit Facebook. Ah, Let's Facebook, hein. Non, monsieur le dictateur, on dit Facebook. C'est Facebook. F-A-C-E Facebook. Ah, OK. Ah, non, Facebook. Prends un, tu laisses l'autre. Euh, monsieur Bia, il euh, n'y a pas de route au Cameroun. Vous avez vendu toute la société d'Aïdjo. am iapa the root o cameroon i go talk me na weti pidgin my conca people root no dey for cameroon because wuna be need this people brinder time e brinder di sick i de chiep small money i give am for brinder say brinder go for paris witi yi o wor wuna on say i give una money i no fit give una my money money for letar du cameroon na my propriate prever

mais Monsieur le président dictateur, comment pouvez-vous euh, 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 Excellence, excusez-moi Excellence des dictateurs, comment pouvez-vous mettre pays, votre, votre peuple, comment pouvez-vous faire un défi avec votre peuple? Adégué un défi, à godou on a défi depuis 38 ans on a des tout dit, mais c'est avant on a non on chassé mi. Mais si vous n'allez pas chasser, mais quand vous ne pas chasser quelqu'un, n'est-ce pas que je vais sauf que rester? Même mon cadavre, même, vous n'allez pas chasser, il va que rester. Si vous voulez que euh, je, je pars, il faut que vous me chassiez. Euh, bon, si je comprends bien, c'est les Camerounais qui, qui veulent encore de vous. Dis-moi, if you get eh. si, si il ne veut pas de moi, je suis encore là, pourquoi?

Si on ne veut pas de moi, on prend mes affaires, on met dehors, moi je vais partir. Mais, euh, d'accord, silence. Je crois, que, euh, je crois que vous avez compris, hein, si vous n'avez pas compris en français, le dictateur Paul Biya dit que s'il si est encore au pouvoir, c'est parce que vous, les Camerounais, vous voulez qu'il reste encore au pouvoir. Si vous voulez qu'il s'en aille, vous n'avez qu'à le chasser. C'est ce qu'il est en train de dire. Il est là en face de vous. Lui-même, il a porté aujourd'hui le nom au Hein, il dit que si vous ne voulez pas, vous n'avez qu'à le chasser. Hey, euh, excellence, euh, est-ce que vous avez un problème d'électricité à etudi Hey, balak No one day. Même si Ndongo fait le rain, pas de comment, il ne peut pas. Ndongo n'a fait pas de light for etudi no one day. Mais est-ce que vous savez que euh, le peuple camerounais n'a pas d'eau, d'électricité na pas de problème il y a des problèmes. Est-ce qu'il y a un problème avec Il a étudié avec l'eau, il a étudié avec le lumière, il a étudié avec le groupe électrogène. Même s'il n'y a pas la lumière de NEO, il y a le groupe électrogène qui a étudié. Même si les Camerounais n'ont pas l'eau, moi, ce n'est pas mon problème. Et puis, Brenda, elle a dit qu'elle a du col Tanguy. Et puis, Tanguy a dit qu'elle a du col Avion Citane, donc elle livrer le l'eau pour Brenda Biaa. Et moi, mon problème, c'est quoi? Mais, Excellence, euh, euh, Excellence des dictateurs, euh, comment vous pouvez. Vous avez prêté serment de de vous occuper de tous les Camerounais. Mais pourquoi vous ne parlez que de votre fille Brenda, de votre famille? Elle n'a pas prêté serment, c'est à que Camerounais. Elle a donc prêté serment, c'est à côté qu'elle ma famille. Je suis le pouvoir pour mon famille. Ah, c'est Brenda Dissic, est-ce que vous ne Brenda Wonder à l'hôpital général Ah, ah est-ce que vous avez déjà vu Brenda un jour à l'hôpital général Quand Brenda Dissic, il y a l'avion qui prend Brenda qui amène à Paris. Quand Junior a le mot de tête, il y a l'avion qui prend Junior qui amène à Paris. Bon, si les Camerounais, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas le lot, ils n'ont pas le ça c'est leur problème. Ça ne me regarde pas. Anita Fogona Camerounais, camerounaises, à l'Itafouona. Chacun prend son destin. Amen. Si tu n'as pas l'eau, tu connais là où on fait, prend plus l'eau. Ce n'est pas moi qui vais te donner l'eau. Si tu n'as pas la lumière, tu connais celui qui donne la lumière. Si c'est néo, si c'est ménéo, tu pars là-bas, tu demandes ton eau, ton lumière ou quoi. Ce n'est pas mon problème. Moi, je suis à étudier. Tati, si tu ne viens pas me chasser, c'est même mon cadavre ne va même pas sortir là-bas. Hein? Moi, j'ai parlé, j'ai dit, oui, euh, Excellence des dictateurs, euh, comment pouvez-vous concevoir que Mendoza, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore reçu son, son décret Qu'est-ce qui vous empêche de, 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 de signer le décret de libération de, de Mendoza hein? Eh, Mendoza Eh, Mendoza il dit de est il dit danse, il dit torré Adam ah, Pouyé pour CGTV, il a volé l'argent et mon bel-mère il est mort il vient il lui fait le chantage pour le déil mais Adam Senifon condamné pour détournement de fonds oui je connais il avait volé l'argent Adam Senifon et tout dit à ah, mon bel-mère Là, vous n'avez pas peur que euh, les bêtis vont, vont se retourner contre vous Les bêtis ne vont pas se retourner contre moi. Dame, assez Betty n'a pas Comme j'ai déjà rendu le denton à 50 frères, tous les bêtis, ils vont voir, ils vont même oublier Mendoza. Est-ce que le problème même d'abord, c'est Mendoza Moi, je connais, ce sont mes frères. Mais à nos alors, alors, mais excellent, est-ce que vous n'avez pas peur que les Camerounais finalement vont se, se rebeller contre vous Est-ce que Camerounais d'un Ah Depuis là 6, j'ai dit à Ngongo que je ne veux pas me présenter en 2018. J'avais dit à alk forgongosay i do want me present i do want be president again gongo unde shanto tdey don trumpet me dem say go dem say go i don go for election presidentiel i talk for dem say problem no day dem say problem no day i say problem no day i don see dhat small man wey dem de call am com to wen i no see da man agan sas plenty avetsay dem say comto go make me problemema asi ado wam his election presidantially get ado fatigued. na gongo ana go shatu bi adada promi for di ballot wey ade so. dey don make ado make all dok ɛna all op awori ado sia ano ado make all dok all i for kanto. ado chip election for president kanto. Adan ban fò etranje fò jaspora, den don fò fò masekin, den bikin gimi shemsute. Ope oh, wè adi go, pip fò jaspora, den den fò mabab. E, mè 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 zanfan, kan vò vò mè mè, vreman, kan vò vò mè mè kom wò pòbya, vò grè grè mè mè pòbya. Vous pouvez me chasser à Genève comme un eh, enfant de chien comme ça là, mais pourquoi eh, Qu'est-ce que je vous a fait? ai fait J'ai dit à Chantou que je ne veux plus le pouvoir. C'est Chantou avec Gongo. Mais ils ont décidé que je vais rester. Comme euh, c'est Chantou qui m'a amené partout, je suis resté. Mais si c'est que vous voulez que je parte, vous-même vous connaissez les solutions. Euh, si vous ne vous levez pas, si vous ne faites pas le... Vous connaissez Moi-même, j'ai volé les élections avec la force. J'ai fait le hop-high à Chantou. J'ai fait le hop-high à Akanto, pardon. Eh, 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 Chantou, ce n'est pas toi, j'ai fait le hop-high. J'ai fait le hop-high à Kanto. Eh, maintenant, si vous voulez que je parle, il faut que vous me fassiez le hop-high. Comme ça, Chantou et Ngongo vont voir, ils vont avoir peur. Mais si vous ne faites pas le OI, ils ont décidé que même mon cadavre va rester président. Je vous donne l'avance. Mais à qui on a Et puis on a Si vous ne descendez pas dans la rue, j'ai appris. Attendez, je vais vous faire un petit confidentiel. J'étais tranquille à la maison. On m'a appelé que Cabral, Cabri, Cabro, Cabri, Cabri, Cabri Libye. Non, là même, ça me dérange beaucoup. On m'a appelé que Cabri Cabral Libi a dit qu'il va brûler le palais de justice. J'ai appelé. J'ai appelé Eric j'ai dit qu'il faut lui donner son siège de député. S'il si brûle le palais de justice, c'est grave pour nous. Bon, si les Camerounais veulent que moi je parle et qu'on les solutions, demandez à Cabral Liby, il va vous donner la clé de succès. Il faut demander à Cabral Liby. Excellence, les Camerounais sont à fleur de peau parce que à tout moment ça peut péter et vous n'avez pas peur de votre place? À notre ces Camerounais donnent aux chasseurs. À notre folie, Eneyo, adonto notre Eneyo ne donne plus le courant aux Camerounais. Tout ça pour que les Camerounais me chassent. Ils ne sont pas sortis. Adonto notre folie, monsieur. C'est quand il y a l'argent, tu donnes pour moi, tu prends pour toi. Il n'y a construit par la route, Camerounais n'est pas sorti. Adam, ah donc c'est pour l'hôpital, il n'y a pas les médicaments. Camerounais n'est pas sorti. Adam, ah mais dit, oh c'est le Camerounais, il me chasse. Camerounais, ils ne veut pas me chasser. Qu'est-ce que... Mais je veux seulement rester. Et tandis que, ils ont vraiment, vraiment, vraiment envie, beaucoup, beaucoup, là, que j'ai pas. Ils n'ont pas envie. S'ils si ont envie, c'est qu'il y a longtemps, je suis parti. esqu wenabe paper du, du pepe camerouna make <laughs> <laughs> i talk witi pigin because if ya talk witi frensh plenty people them go hear me i de feeer cameroona people eh parc que camerona na kelkelkel them no get confidence witi camerone camerouone na imprevisible dat wey you de sae cameroune thin wey you no know say cameroune go weakup na that day wey camerone de cam show you say Et puis, sans s'en fout' la mort. Yes, à défier les Camerounais, people. Parce qu'un matin à 5 heures, ils peuvent se lever, ils me font... Comment j'ai compris qu'on a chassé le président au Mali À 5 heures le matin, même on peut me dire que je fuis, je vais seulement planquer l'avion, non Moi-même, j'ai déjà arrangé mes affaires. Si vous, vous décidez que moi, je pars, moi, je suis déjà prêt. Et vous allez faire comment des chanteaux si Chantou veut me suivre, elle me suit. Si elle ne veut pas me suivre, tant pis pour elle. Hein? Moi, je sauve d'abord mon tête. Chacun est venu un pied devant un autre derrière. On n'est pas venu quatre pieds. Bon, si Chantou, Brenda, tout ça, ils pas me suivre, ça c'est le problème. Moi, je suis prêt. En tout cas, si le Camerounais ne me dit pas, je ne pas. Si il me dit rester, hein, je vais faire comment Je vais manquer sauf que rester, non Monsieur Bivondo Batelemi, c'est votre nom Yes, ma madame, ça Vous êtes né en quelle année Est-ce que, mais c'est en 1920, avant la cultivation des arachides, quand les Allemands étaient au Cameroun. Mais c'est quelle année Si je comprends bien, vous avez plus de 90 ans Ah non, mais mais non, mais dans la foulé, je peux poser le col, c'est Camerounais de RDPC. Est-ce que vous savez que si vous ne décidez pas de quitter le pouvoir, les camerounais vont schlappio. Calibre, non plus qu'ils l'amusent. Dans Chantu en Angongo, ils n'ont pas mis en lieu pouvoir. Ils déjà fatigué. Ils ne veulent pas qu'ils ne partent. Eh? Euh, monsieur Monsieur Biya. 38 ans de pouvoir, Aïdjo vous a laissé avec un patrimoine immense. L'ONCPB, la Cam, il euh, y a plein de sociétés qu'Aïdjo a laissé, la SOTUC, la SEMRI. Où sont passées toutes ces sociétés-là Qu'est-ce que vous avez fait du patrimoine que Aïdjo vous a donné Vous savez, à l'occasion de pouvoir, à l'occasion de pouvoir, à l'occasion de pouvoir, à l'occasion de pouvoir, à be ah, sont obligé non Je n'ai pas pris compte pour eux. nommé d'un directeur. Quand il pas voler un peu, il apporte pour moi. C'est comme ça que je construit une clinique pour eux. Je n'ai pas de Camerounais. Je n'ai pas don't go pour Suisse. Ah, vous parlez de la Suisse Non, non, n'ont pas acheté une pour les brigades anti-sardiniennes. Ils ne je n'ai pas le droit d'être comme ça en Suisse. La maison de ma... La maison de mon payer avec mon pays. Regardez, je suis pour la diaspora. Je suis pour les cantons. Je suis pour... 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 Et ça, je suis pour résister au Cameroun. Je ne veux pas chasser mon pays. Je Genève. Comme nous vous avons chassé à Genève, vous savez que nous allons vous chasser au Cameroun, non Vous savez que... Euh, la diaspora, elle arrive au Cameroun, nous allons vous chasser ça c'est un petit problème diaspora n'a fait qu'un chassé mais il Cameroun moi j'ai plus peur des Camerounais même ici au Cameroun que de la diaspora vous attendez-moi là-bas les gens de la diaspora attendez-moi là-bas je vous ai laissé là-bas ici là laissez-moi je vais gérer avec les Camerounais s'ils sont d'accord euh, je vais rester s'ils si ne sont pas d'accord je vais partir alors excellence nous sommes arrivés au terme de de cet entretien. Il y a Jean Bruno Kassamba qui me demande de vous donner l'Islam national. Voilà, mes frères, c'était un petit temps chrétien avec le dictateur Bia. Ah, C'est pourri, mes frères, mais en réalité, nous n'allons jamais changer le Cameroun si nous, Camerounais, nous ne nous, nous levons pas. Et en réalité, personne d'autre ne viendra changer le Cameroun à notre place. C'était juste une petite parodie. Mais c'est une parodie qui a son sens. Si BIA est encore au pouvoir, c'est parce que nous, les Camerounais, nous voulons que BIA soit encore là. Personne d'autre. Si BIA est encore capable de faire toute cette cruauté au Cameroun, c'est parce que nous, les Camerounais, nous avons décidé que BIA soit encore là. Ne comptons pas, mes frères camerounais, ne comptons jamais sur la diaspora. La diaspora, elle a un rôle, un rôle très positif. Euh, très positif autant pour moi. La diaspora a son rôle à jouer, mais la diaspora à elle seule ne peut pas, mais ne peut pas faire tout pour le Cameroun. Cette diaspora-là, si vous voyez exactement dans quelles conditions travaillent vos sœurs, vous n'allez pas croire. Elle travaille dur, elle bosse dur. Je parle de toute la diaspora, je parle de tous les Camerounais, les écancres, les tontinas, les, les sardinas, je parle de tous les Camerounais. Vos soeurs en diaspora travaillent dur, deux, trois, quatre boulots par jour pour pouvoir non seulement nourrir leur famille, payer les charges ici en Europe, et aussi envoyer une petite partie au Cameroun. Cette partie-là, est-ce qu'elle te permet, toi, d'envisager un bel avenir Je ne pense pas qu'elle te permet d'envisager un bel avenir. Et déjà, euh, la crise de la COVID est venue compliquer les choses. Ta tante qui t'envoyait 100 euros ou 200 euros par mois ne pourra plus le faire. Elle ne pourra plus, parce que tout devient difficile en Europe. Même ici, les gens pleurent déjà. La Covid n'est pas, pas encore derrière nous, mais les conséquences se font ressentir au quotidien. Nous avons intérêt à juguler, cette, à battre, à combattre même cette dictature. Mes frères Camerounais, ce n'est qu'en prenant nos responsabilités. Les Sénégalais n'ont pas attendu un mot d'ordre d'un leader quelconque pour se mettre... Euh, 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 dans la rue. Ils n'ont pas attendu un mot d'ordre d'un leader. On a arrêté le leader. Ils ont décidé que ce leader ne restera pas en prison. Et par la force, ils ont obtenu la libération euh, de ce leader. Au Soudan, pour chasser Omar el bechi je pense, c'est comme ça qu'il s'appelle, on n'a pas attendu l'ordre d'un leader quelconque. Les Soudanais se sont déversés massivement dans la rue. Que ce soit euh, en Égypte, au Caire, à la place Taï. Les jeunes, les jeunes Égyptiens ont tenu tête à l'armée pendant des semaines et ils ont eu gain de cause. Que ce soit au Mali, les jeunes Maliens se sont rebellés, se sont revoltés contre le pouvoir en place et ils ont eu à la fin gain de cause. Aucune dictature ne se libère en parole. Aucune dictature ne se libère juste avec des posts sur Facebook. La dictature, c'est une action concrète sur le terrain. Et quand je parle d'action, c'est une action massive. Bia, aussi longtemps que nous allons rester, je dis nous, je pas dit vous, amorphe. Bia ne partira pas. Non, il n'est pas prêt. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale dernièrement. Est-ce que vous pensez au plus profond de vous que ces gens sont prêts à partir Non. Sinon, Nya Difendi n'aurait jamais accepté d'avoir encore un poste. Sinon, Kavaye Dibri n'aurait pas arraché sur lui les perfusions pour retourner au Cameroun parce qu'il avait peur de perdre sa place. Si à son âge, il devait déjà être en retraite, il n'est pas en retraite, il a peur de perdre sa place, alors ça veut dire qu'il est prêt à y rester jusqu'à la fin de sa vie. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères. Tu n'as pas l'eau, tu n'as pas l'électricité et tu continues à te, à te larmoyer chez toi, larmoyer chez toi. Non. Tu continues à, à, à crier désespérément seul chez toi. Former des collectifs, descendre dans la rue. C'est dans la rue qu'on obtient sa liberté. La liberté du peuple en dictature s'obtient dans la rue et rien que dans la rue. À vous, mes frères de la diaspora, arrêtons de maintenir sous perfusion nos frères. Nous savons très bien que c'est une lueur. C'est juste une lueur. Parce que. Dans un, deux, voire trois ans, vous n'allez plus être capable de faire ce que vous faisiez par le passé. Vous n'allez plus être capable de le faire. Les conditions, même en Europe, deviennent de plus en plus difficiles, y compris pour vous-même. Disons la vérité à nos frères. Battons-nous pour avoir un État de droit. Battons-nous pour avoir un État où il n'y aura plus de prisonniers politiques. Battons-nous pour avoir un État où. Euh, nos soeurs qui iront à l'hôpital, nos enfants qui iront à l'hôpital, nos grands-parents qui iront à l'hôpital vont être pris en charge normalement. Battons-nous pour une meilleure condition sanitaire au Cameroun. Battons-nous pour un meilleur accès à l'eau potable, pour un meilleur accès à l'électricité. Battons-nous pour un Cameroun nouveau. Et ça, nous pouvons le faire tous ensemble. Arrêtons avec la haine dans les réseaux sociaux. La haine ne construit pas un pays. La haine détruit un pays. Regardez le, euh, 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 le Rwanda, c'est la haine qui l'a détruit. Malgré que des ruines de la haine, le Rwanda est devenu un exemple en Afrique. Un exemple. Pourquoi le Cameroun, qui était jadis l'Afrique à miniature, ne pourrait pas redevenir cette Afrique à miniature Le Frère Camerounais, la liberté. La liberté ne se donne pas et s'arrache. Oui. Arrachons cette liberté. Arrachons-la. Nous pouvons arracher cette liberté. Arrêtez de penser que l'armée camerounaise est la plus forte. Non, elle n'est pas la plus forte. Aucune armée n'est assez forte face à un peuple déchaîné. Aucune. Mais alors, aucune armée n'est assez forte face à un peuple déchaîné. Aucune. La force du peuple Réunie, à l'unisson Réunie tous ensemble avec amour Pour un objectif commun Cette force là est démultipliée Par cent mille, je peux vous assurer Aucune bombe H Ne peut valoir la force d'un peuple en furie Contre les dictateurs Contre les dirigeants voleurs Que nous avons Ne pensez pas que c'est en faisant des postes Par exemple comme ça là vous, 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 Gamoudou Missy était un voleur Ne croyez pas que c'est en faisant des postes comme ça Que Gamoudou Missy Va partir Non, on chasse un dictateur mes frères On chasse un dictateur Alors battons-nous tous ensemble Pour un Cameroun prospère Loin de nous la haine Loin de nous encore la xénophobie Loin de nous le tribalisme Ensemble nous construirons un beau pays Un bon pays Tous ensemble mais je ne partirai pas ce soir sans vous dire la solution pour y arriver, c'est de détruire tous les symboles de la dictature. Oui, mettons ça dans notre tête. Mettons ça dans nos têtes. Aussi longtemps que nous n'allons pas en finir avec la dictature, quel que soit le régime, quel que soit celui qui va être au pouvoir demain, dans les conditions actuelles, va, juste, va être juste le prolongement de cette dictature. Décruisant la dictature au Cameroun. Cassons, brûlons tous les symboles de la dictature au Cameroun. Enéo ne te donne pas de l'électricité. Alors va à Eneo. Mais pas seul. Allez à Eneo. À, euh, euh, comment on appelle Au euh, que la Sinègue ne te donne pas de l'eau. Allez à la SINEC, apprenez Camerounais à revendiquer vos gloires. Tu estimes que c'est un dictateur. Tu estimes que ton enfant n'a pas accès à l'école, que ton enfant est allé à l'école, a des diplômes, n'a pas accès au travail. Alors, excite ton enfant et toi-même, parent, mets-toi en route avec ton enfant. Seule la rue libère. La France. Nous voulons tous être en France. Oui, moi aussi, je voulais être en France. J'y suis. Et je comprends ici que si la France, elle est belle, si la France, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que les Français sont descendus dans la rue. C'est parce que les Français ont arraché leur liberté. C'était la monarchie, et croyez-moi, encore plus dure que la dictature. Parce que tu n'avais même pas le droit de rire sans l'autorisation du roi. Parce que tu n'avais même pas le droit de jouir de ta femme sans l'autorisation du roi. Mais les Français se sont levés. Et à coup de pavés, de X, de Y, ils ont arraché leur liberté. De haute lutte. Ils n'ont pas commandé la liberté. Elles ne se commandent pas. Non. Alors, mes frères camerounais, mes soeurs camerounais, mes mamans camerounaises, nous n'avons qu'une seule chose à faire. On dit qu'on a peur. De toutes les façons, nous sommes déjà des morts. Nous sommes déjà des morts. Combien d'entre nous périssent dans nos hôpitaux tout simplement parce qu'il n'y a pas du matériel adéquat? Combien d'entre nous périssent dans nos hôpitaux tout simplement parce qu'il n'y a pas de médecin? Combien d'entre nous périssent dans nos hôpitaux tout simplement parce qu'on n'a pas l'argent pour payer? Quand nous arrivons à l'hôpital, la toute première des choses que le médecin, que la sage-femme, que l'infirmier, que l'infirmier veut savoir, c'est qui va payer. Dans cet état où je suis, ce n'est pas qui va payer. C'est soignant. D'abord, et la finance viendra après. Battons-nous pour le Cameroun. Battez-vous pour vos enfants. Oui. Nous avons l'obligation tous ensemble. Tous ensemble. N'allons jamais imaginer, mais n'allons jamais croire que le salut du Cameroun viendra de l'Europe. N'attendons pas les États-Unis, ils ne viendront pas. Ça fait combien d'années, ils disent, ils disent, ils disent, ils ne font pas. N'attendons pas de la France. On peut espérer. Mais très longtemps. C'est à des années lunaires, ça ne viendra pas. Battons-nous nous-mêmes. Les Maliens se sont libérés d'eux-mêmes, ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas attendu. Les Soudanais se sont libérés d'eux-mêmes, ils n'ont attendu personne. Les Burkinabés se sont libérés d'eux-mêmes. Ils n'ont attendu personne. Pourquoi nous, au Cameroun, on veut attendre la manne qui va tomber du ciel Peuple Betty, peuple étonne peuple du centre, du sud, mais levez-vous. Oui, il est temps de rejoindre la résistance. Il est temps de vous réveiller. Il est temps d'ouvrir les yeux. Devez-vous. Pose-toi la question cette nuit, est-ce que quand je vais à l'hôpital, parce que je dis Paul Bia Ayop, est-ce qu'on me demande pas l'argent? Si tel est le cas, alors dis-toi que tu dois te battre pour que cela n'arrive plus. Pose-toi la question ce soir, est-ce que après avoir chanté Paul Bia Ayop, j'arrive à faire manger mes enfants trois fois par jour? Si tel n'est pas le cas, alors rejoins la résistance. Pose-toi la question. Je me suis battu pendant 20 ans pour envoyer mon enfant à l'école. Aujourd'hui, il est diplômé des hautes écoles du Cameroun. Est-ce qu'il a pour autant le travail Si tel est le cas, alors ne te pose pas la question, mais si tel n'est pas le cas, rejoins la résistance. La résistance est pour la construction du Cameroun. La résistance va profiter à tous les Camerounais. À tous les Camerounais. Et nous aurons un Cameroun meilleur que celui que nous avons aujourd'hui, beaucoup plus meilleur en tout cas. Parce que nous, nous les enfants de la résistance, nous les Galafis comme vous appelez, nous nous battons pour un Cameroun où ta voix va compter, où tu vas compter, où tu vas être prise en charge. Voilà pourquoi nous nous battons. Nous ne nous battons pas contre une communauté comme on vous fait croire. Non, nous avons un adversaire. Tout ce temps que nous sommes en diaspora, nous avons un adversaire. Et cet adversaire-là s'appelle Biv Vondobatelemi et son système. Est-ce que Paul Bias c'est ton oncle Est-ce que c'est ton cousin Est-ce que c'est ton neveu Et même si tel était le cas, est-ce que autour de toi, les Camerounais arrivent à manger deux, trois fois par jour Est-ce qu'autour de toi, les Camerounais arrivent à se soigner Est-ce qu'autour de toi, les Camerounais vivent dans l'harmonie, dans la joie Est-ce qu'autour de toi, les conditions sont réunies pour que le Camerounais soit épanoui, je pense pas que, que ce soit le cas. Alors même s'il était ton oncle, même s'il était ton cousin, même s'il était ton neveu, rejoins, rejoins, rejoins la résistance. Regarde ce qui est arrivé à Mendoza. Regarde bien ce que Mendoza a eu. Regarde bien. Et demande-toi si un humain peut faire ça à un autre humain. Quand des gens n'ont plus peur de Dieu, penses-tu qu'il va avoir peur de toi Je ne pense pas. Alors, le moment est venu qu'on soit tous ensemble dans la mêlée pour libérer notre pays. Le Cameroun a besoin de tous ses enfants, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de tous ses enfants. Battons-nous tous ensemble. La patrie ou la mort nous vaincrons. Je dis bonsoir à Sandy Boston la générale, Sandy Maxine Rivoire, Karine Richaud. Nandi je souhaite encore au nom de la brigade anti sardina prendre rétablissement à Gréboni. Je dis bonsoir à tous les combattants, Basile Gombo. Je dis bonsoir à toi, ma Bibi. Je dis bonsoir à Malolo. Je dis bonsoir au faux profil. Vous êtes une armée, vous êtes une force. Big up, respect. Battons-nous tous ensemble. Mettons à partir d'aujourd'hui, chacun d'entre nous, dans la tête des Camerounais, qu'il faut se battre dans la rue. La rue, et rien que la rue. Quant à moi, je vous donne rendez-vous jeudi pour un nouveau live. En attendant, je dis à mes frères du Nord, j'ai peut-être été grossier hier, je m'en excuse, mais c'est pour vous faire sortir mes frères de Garoua, de Maroua, de Kousseri, de Gaoundéré, de Guider, de Tignère, de Gazawa. Sortez aussi. Parce que la misère chez nous, elle est grave. Très grave. Très grave. Nos enfants ne sont pas condamnés à être des couturiers. Nos enfants ne sont pas condamnés à être des tela, comme nous appelons. Nos enfants ne sont pas condamnés à être des bensikineurs. Nos enfants ne sont pas condamnés à être des karemota. Nos enfants ne sont pas condamnés à être des gaïnakos. Nos enfants aussi doivent goûter au bonheur du Cameroun, doivent, doivent goûter à ce que le Cameroun a de meilleur. Oui. Toi mon frère de Kousseri, toi mon frère de Garoua, lève-toi. Lève-toi. Chacun d'entre nous doit apporter de sa part. Chacun d'entre nous doit apporter sa petite énergie pour que nous puissions mettre hors d'état de nuit ce fantôme qui gouverne au Cameroun. Mon frère Bafia, bats-toi. Tu as un de tes dignes fils qui est aujourd'hui en prison. Parce qu'il a osé marcher pour la libération de ce Cameroun, parce qu'il a osé marcher pour ton bien-être, bats-toi. Ce n'est pas une affaire de Bamileke, la, la, la lutte. Non, c'est une affaire des Camerounais. Toi, mon frère Bafia, mon frère de Ndikinemi qui me regarde, ma soeur Chassérie, appelons nos frères à nous rejoindre dans la résistance. Toi, le frère de Paul Chuta, oui. Le frère de Paul Chuta, l'ami de Paul Chuta, le cousin de Paul Chuta, bat-toi pour la libération, pas seulement de Paul Chuta, mais pour la libération de tous les prisonniers politiques au Cameroun, de toutes les personnes, de toutes les personnes qui se sont levées pour exiger un Cameroun meilleur. Paul Chuta dénonçait des choses pour pouvoir te garantir à toi, son frère, son ami, son cousin, une vie meilleure. Paul Chuta est en prison parce qu'il dénonçait l'incurie du gouvernement camerounais. Toi qui as dit à Sébastien Ebala, ben je suis avec toi. Bats-toi. N'aie plus peur. N'aie plus peur de l'armée. Face à un million de Camerounais, l'armée camerounaise ne pourra rien faire. Face à 200 000 Camerounais, l'armée camerounaise ne pourra rien faire. Alors, arrêtons d'avoir peur. La peur, c'est notre premier adversaire. Ce n'est pas Bia, mais c'est la peur qui, qui nous habite au quotidien. Arrêtons d'avoir peur. Battons-nous véritablement. Battons-nous avec amour. Vous savez, quand on se bat avec amour, la peur est disparaît. Oui, mes frères. Battons-nous. Battons-nous. Ceux qui sont à la diaspora qui vous disent, ah, Paul B. Ayop, regardez dans quelle maison ils vivent. Ils sont bien, ils vivent bien. Ils n'ont ils pas les mêmes problèmes que vous. Avant de suivre quelqu'un aujourd'hui, demandez-vous si vous avez le même problème. Moi aujourd'hui, je ne vous mens pas, je suis mieux que si j'étais au Cameroun. Je vous le dis en réalité. Je suis mieux. Et je veux que vous soyez aussi, peut-être pas comme moi, mais que vous ayez le script minimum. Voilà pourquoi je me bats. Je ne me bats pas pour vous dire Ah oui, Camto c'est le plus beau. Non, il a le meilleur programme aujourd'hui. Je crois à M. Camto, je crois au président Camto. Je ne vous demande pas de croire au président Camto comme moi, mais je vous demande de croire au Cameroun nouveau que nous pouvons bâtir tous ensemble. Oui. Croyons tous ensemble au Cameroun nouveau. Et nous pouvons bâtir ce Cameroun, mes frères. On se sert du tribalisme pour nous éloigner des vrais problèmes du Cameroun. Toi, mon frère Ayabassi, tu n'as pas d'hôpital et tu attends je ne sais pas quoi. Non, lève-toi. Lève-toi. Lèvez-vous que les chefs prennent leurs responsabilités. Oui. C'est aussi vous, les catalyseurs du Cameroun que nous voulons construire, chef traditionnel, chef de bloc, chef de quartier. Avant d'arriver au chef de quartier, chef de bloc, je m'adresse d'abord au chef traditionnel. Toi, le chef de Yabassi, est-ce que les conditions de vie de tes administrés de Yabassi, ces conditions-là, est-ce que ces conditions sont normales? Est-ce que c'est des conditions qui, qui méritent un être humain Mais pose-toi la question. Et je ne pense pas que ce sont des conditions idoines pour un homme. Oui, tu as aussi ce bois. Ne laisse pas le, le roi de Dieu seul dans ce, dans ce combat. Il ose lui. Il ose. Ne laisse pas le roi de Dieu seul dans ce combat. Dis la vérité à tes, sub à, à tes subordonnés, à tes administrés, dis-leur la vérité. Et cette vérité, c'est de se battre. Tu n'as pas d'hôpital, alors lève ta population et allez où il faut reclamer l'hôpital. Tu n'as pas de médecin, lève ta population, lève ton peuple et allez où il faut reclamer. Est-ce que Yabassi a été maudite? Est-ce que le CAM a été maudit à quelques kilomètres de Douala, le CAM est encore resté une broussaille et on continue à dire, Paul Béa Ayop, ne compte pas sur Samuel Mott. Samuel Mott n'a rien à foutre du CAM. Ne compte pas sur Titi Pierre. Il n'a rien à foutre du CAM. Qu'est-ce que les élites du CAM ont apporté au CAM Qu'est-ce que les élites du CAM ont apporté au CAM Je me souviens encore d'une CAM dans les footballistique footballistiques camerounaises. Ou Camerounais, je ne sais pas. Je me souviens de Diep Dinkam qui faisait trembler le Cameroun. Qui faisait vibrer le Cameroun. Le Cam aujourd'hui serait comme Douala. Douala peut-être, si on avait des dirigeants. Douala serait comme Dubaï. Peut-être plus, je ne sais pas. Mais le Cam aujourd'hui ne serait plus enclavé. Yabassi aujourd'hui, avec un vrai président, on aurait développé Yabassi. Arrêtez de croire que c'est la sorcellerie. Et vous, les jeunes, arrêtez de croire que c'est les vieux du village, que c'est la sorcellerie. Non, ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas les vieux du village. C'est parce que nous voulons, nous, rester amorphes. C'est parce que nous voulons noyer notre peur dans la sorcellerie. Et on accuse, on a, on a tout fait de voir. Euh, le coupable idéal, c'est la sorcellerie. Non, ce n'est pas la sorcellerie. C'est parce que nous ne voulons pas oser. C'est parce que nous ne voulons pas faire ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas la route aujourd'hui entre Yabassi et Douala. Pour quitter de Yabassi aujourd'hui et aller à Douala, il faut passer par Bafang. Il faut passer par l'ouest. Passer par Bafang pour aller aujourd'hui de Yabassi à Douala. Et vous ne dites rien. Oh, vous pensez que Bia a des cornes sur la tête? Vous pensez que Bia, Bivondo, Bathélemy, Paul est si puissant que ça? Vous pensez que Bia est plus puissant que le peuple? S'il était plus puissant que le peuple, pourquoi vient-il vous demander vos suffrages quand il faut euh, euh, voter pour lui? C'est parce qu'il sait que le pouvoir vous appartient. C'est parce qu'il sait quelle est la force que vous avez. Alors mes frères, mes soeurs, mes papas, mes mamans, nous avons un train, le train de la résistance camerounaise, le train de la renaissance du Cameroun. Ça ne veut pas dire que c'est le MRC, le train de la renaissance du Cameroun, non. Même si c'est le MRC qui a porté ce slogan, qui porte la renaissance du Cameroun, mais dites-vous que le train de la renaissance du Cameroun appartient à chaque Camerounais, de quelque bord politique que ce soit. Dites-vous ça. Faites-en votre. La renaissance du Cameroun doit être aussi votre slogan, quels que soient les bords politiques. Faites de la renaissance du Cameroun votre chose, votre propriété. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la renaissance du Cameroun ne va pas que concerner le MRC ou son président ou ses sympathisants. Non. Les lois qui vont être revotées au Cameroun. Vont bénéficier à tous les Camerounais, à tous les Camerounais, sans exception. Battons-nous, mes frères. Nous n'allons pas bâtir le Cameroun de la renaissance que nous voulons, le nouveau Cameroun, pas le renouveau, mais le nouveau Cameroun. Nous n'allons pas bâtir ce Cameroun-là sans nous battre. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors prépare-toi à cette bataille. Prépare-toi à livrer cette ultime bataille nous la génération d'aujourd'hui nous avons nous avons notre mission notre mission c'est de libérer le Cameroun de la dictature et de permettre à nos enfants d'avoir une belle vie de permettre à nos petits enfants d'avoir une belle vie vous savez la vie a cinq cycles la naissance on est on est euh, nourrisson on est bébé on est enfant, on est adolescent, on est adulte. Il y a même six. Je disais, quand, quand un homme il naît, il est un nourrisson. Après, il devient un bébé. Après, un enfant. Après, un adolescent. Après, un adulte. Et après, un vieillard. À chaque étape, on perd les forces. On en prend, hein? un enfant. Il prend des forces. Un nourrisson, il prend des forces. Un bébé, il prend des forces. Euh, non. Un nourrisson prend des forces. Un bébé prend des forces. Un adolescent prend des forces. Un adulte devient fort. Un vieillard, il perd les forces. Alors dites-vous que le Cameroun que nous voulons construire, c'est aussi pour vous. C'est aussi pouvoir prendre soin de vous. Toi, le jeune qui me regarde, nanti de diplôme, bats-toi pour pouvoir offrir à ta maman, pour pouvoir offrir à ton papa la meilleure des vies qu'elle n'a jamais eue parce que Bia a plombé sa, la sienne. Bats-toi pour dire à maman demain, maman, assieds-toi. Voilà, une domestique qui s'occupera de toi. Voilà le frigo qui est bien chargé. Voilà ta petite belle maison que j'ai construite. Que j'ai construite. Voilà. Euh, euh, va passer des vacances à Kribi, maman. Va, euh, va au paradis, maman. Va au ciel. Va à Dubaï. Va à Paris. Va passer une semaine à New York. Parce que tu t'es tant battu pour moi. Parce que tu t'es sacrifié pour moi. Aujourd'hui, je dois prendre soin de toi. Bats-toi pour cela. Bats-toi pour cela, mon frère. Il faut avoir ce rêve. Et c'est possible. Quand ton rêve... Quand on a un rêve, quand on a un objectif, c'est possible d'atteindre cet objectif. Il suffit de croire, il suffit d'avoir envie, il suffit de mettre la volonté. Mettons tous ensemble la volonté pour construire le Cameroun de demain. Dis-moi, ne mérites tu pas envoyer ta mère à Dubaï demain passer une semaine Tu ne souhaites pas le faire Cette femme qui s'est levée pendant 25 ans pour toi, tous les jours à 5 heures le matin, qui s'est séchée sur le soleil. Qui rentrait à la maison à 19h pour s'occuper de toi, qui t'a envoyé à l'école, qui n'a jamais eu euh, l'occasion de manger son propre argent pour toi, alors tu ne rêves pas de ça pour elle. Cet homme, il ne te donne pas ce rêve. Biabi Vandor ne te donne pas ce rêve. Au contraire, pour Biabi Vandor, sa fille elle va à Dubaï comme elle veut. Son fils, il va à Washington, à New York comme il veut. Son fils il prend des hôtels de lustre où il veut, quand il veut, comme il veut. Son fils a des dettes privées à sa disposition. Alors tu peux aussi mettre une dette privée à la disposition de maman, parce que elle s'est battue pour que tu aies l'école. Tu as été à l'école. Tu as eu des diplômes. Tu peux travailler, mais tu ne le fais pas. Est-ce que ta vie est réduite, est réduite à être mototaximan Non, je ne pense pas. Je n'insulte pas le métier de mototaximan. Au contraire, j'aimerais bien qu'on euh, régule ce, ce, ce secteur d'activité-là. Mais, Masters, plus, Master's, Bac plus 5, 2 AG, Play. Non, c'est pas sa place. Licencié n'a pas de place dans le secteur de la moto-taxi. Non. Moi, je suis encore d'accord qu'un licencié soit chef d'entreprise, qu'il ait 20 motos, qu'il ait 50 motos, mais pas que lui-même, il soit... Euh, 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 propriétaire de sa propre moto parce que ça ne va pas. Non. Battons-nous ensemble. Battons-nous ensemble. Mon frère Betty, Boulou, quand tu dises la vérité, le Cameroun va mal et tu le sais. Yaoundé n'a pas d'électricité depuis combien de jours Ça ne peut pas gêner Paul Biya. Il vit, il a, il a le groupe électrogène chez lui. Ça ne peut pas gêner Malahouda Malachi, il a le groupe électrogène chez lui. Ça ne peut pas gêner Atangadi, il a le groupe électrogène chez lui. Mais entre-temps, c'est toi, c'est toi qui payes les frais. Alors arrête de dire tout bas ce que tu dois dire tout haut. La dictature, on la combat. On casse tout et on recommence. Prépare-toi à descendre dans la rue, c'est la seule chose à faire. Bonsoir, partez-vous bien. Rendez-vous jeudi pour un nouveau live sur la situation du Cameroun. C'est ça qui doit nous intéresser. Et toi, fais comme moi, parle du Cameroun et rien que du Cameroun. Bonsoir.